Merci, Père, mon Dieu. Merci. 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 Oh, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. I just want to be. I just wanna be where you are. Nous sommes là.
Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, à partir du verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de Yahweh lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. Yahweh vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Alléluia. Amen. Yahweh dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Gloire à Dieu. Amen. Dieu voit, Dieu entend, Dieu sait. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Voilà. Dieu voit. Parfois, on a l'impression que Dieu ne voit pas. À qui cela arrive souvent? C'est comme si, bon, on sait qu'il voit, mais par rapport à notre situation, c'est comme s'il ne voit rien. Et encore moins si, qu'il ne répond. Ce peuple, comme vous le savez, a crié pendant 430 ans. Plus de 430 ans. Dieu, délivre-nous. Dieu, sauve-nous. Dieu, libère-nous. Ce peuple a fait monter de prières des années et des années vers le ciel. Et il n'y avait rien. Et regardez bien, frères et sœurs, Dieu ne descend pas n'importe quand, n'importe comment. Dans les Écritures, il y a quelques des histoires comme ça où les questions de la descente du Saint-Esprit, du Seigneur, du Père, de Yeshua, notre Dieu. Dites-moi, dans les Écritures, la première fois où il est question de la descente du Seigneur, c'est quand? À quel moment Dieu est descendu dans la première fois où Dieu est descendu dans, sur terre? À l'heure de la création d'Adam et Ève. Amen. Waouh, écoutez bien. Vous allez réaliser à quel point l'homme est important aux yeux de Dieu. Il est dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. D'accord? La terre? Non. La terre devint informe et vide. D'accord? La terre devint informe et vide. Et on nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait les ténèbres poussées à la surface de l'abîme. Satan était là. Certainement, c'était lors de sa chute que la terre est devenue informe et vide. Écoutez bien. Alors, Dieu, depuis son trône, depuis son ciel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à proclamer des paroles. À chaque fois, il est question de dire. Dieu dit « Amar » en hébreu. « Amar » signifie... en fait, quand Dieu parle, c'est comme si il s'adressait à une personne qui était devant lui. Dieu dit, n'est-ce pas, que... la lumière apparaisse et la lumière apparut. Mais bien avant cela, Dieu va mettre en place un projet pour la restauration de la terre. Il va parler, il va amener la lumière, tout ça. Il va, depuis le ciel, depuis le trône, il parlait et les choses se manifestaient. Mais arrivé à l'homme, toi et moi, non, il a quitté son trône. Tu te rends compte? Tu n'étais que de la boue, de la poussière, que Satan foulait. C'est pour ça que ceux qui te foulent aujourd'hui, il ne faut pas s'en occuper.
tu leur donnes trop d'importance. Il faut continuer ta route. Amen. Demain, ils vont se rendre compte. Amen. Tu comprends? Amen. Voilà. Tu vas réaliser à quel point tu es important. Tu n'étais que de la boue. Je n'étais que de la boue. Dieu, quand il a créé le lion là, quand vous voyez le lion, comment il est beau, Dieu n'était pas descendu pour lui. Quand vous voyez l'éléphant là qui vous fait peur là, tout ça, oh non, il y a un serpent qui. Ah, Dieu n'était pas descendu pour le serpent. Mais quand t'as toi qui te minimise là, qui t'arrête sous les critiques des autres, parce qu'il parle contre toi, tu crois que les critiques tuent? Ce sont des vitamines. On ne peut critiquer que celui qui est élevé. Voilà. Les critiques prouvent que tu es élevé. Parce que celui qui n'est pas élevé, qui n'est pas connu, un villageois qui est caché dans son village, qui parle de lui. Ben voilà, vous comprenez ça, chrétien, vous aussi. Pourquoi vous êtes troublé? C'est tout. Avant qu'Obama ne soit président, qui pouvait parler d'Obama? Voilà, Dieu l'a pris, il l'a mis là. C'est Dieu qui fait ça. Parti d'opposition, c'est normal, ça existe. Satan, c'est un opposant. Voilà. Même Dieu lui-même, Satan l'attaque. Vous ne voulez pas être attaqué? Mais Satan, il dit quoi sur Dieu? Est-ce que vous pensez qu'il dit des bonnes choses? Il dit quoi, ses serviteurs? Non, c'est un menteur. Non, c'est un voleur. Non, il n'a rien fait à la croix, c'est moi qui ai tout fait. Ben voilà. Donc, Dieu est descendu pour toi. Dis à ton voisin, il est descendu pour toi. Il a laissé son trône. Il a pris de la boue. Il s'est dit, bon, je vais me fabriquer une belle femme. C'est toi? Je vais me fabriquer un homme. Noir, blanc, jaune, marron, métis, maghrébin, tout ça, peu importe. D'accord? Les yeux bleus, les yeux marron, rouge, chocolat, peu importe. Il est descendu. Alléluia. Amen. Comme un potier, il t'a façonné. Quand tu te regardes dans une glace, dis-toi, hein, rends grâce au Seigneur. Amen. C'est pas ton maquillage là. Amen. Oh, qu'est-ce que tu es bon, Seigneur. Tu as mis les yeux au bon endroit. Amen. Même si ton œil est ici, dis bon, Seigneur. Ça me permet de voir là où les gens ne voient pas. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Tu mesures 1m50, rends grâce au Seigneur parce que Dieu a prévu un sycomore. Amen. Tu vas grimper dessus et le Seigneur va s'arrêter devant. Sachez, descends. Voilà. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux. Je veux t'encourager pour ne plus que tu sois dépressif. Amen. Voilà. Ne cherche plus à bronzer, accepte-toi tel que tu es. Amen. Laisse le salon de bronzage là-bas. Amen. Tu vas attraper des maladies, tu vas être incurable. Ne cherche pas à éclaircir ta peau, reste comme ça. Amen. Voilà. Amen. Dieu est descendu pour toi. Amen. Imaginez quand il descendait, quand il a quitté son trône. J'imagine l'ange Gabriel, qui a dû rien comprendre. J'imagine Michael. Tout le monde devait se. Tous les archanges, les chefs, ils sont costauds. Hein. Tout le monde se disait, mais qu'est-ce qui se passe avec le maître? Il a quitté toute la gloire là, mais c'est quoi pour la poussière? Il y a poussière et poussière, frère. Attention! Ah non! Oh non! Ce monde est parce que tu es énorme, tu es gros. Mais c'est une grâce. Parce que les gros vont être sauvés par toi. Oh, tu es mince, tu es maigre, mais c'est une grâce. Frère, il faut comprendre le langage de Dieu. La dépression, il faut l'envoyer ailleurs, la dépression. Oh, tu es au chômage, il y a un démon. Non, ce n'est pas un démon. C'est Dieu qui permet ça pour que les chômeurs soient touchés. Parce que tu auras le temps d'aller les voir. Là. Vous comprenez les choses. Arrêtez d'aller voir les pasteurs pour être délivré du chômage, tout ça, là, frère. On a créé des démons à cause de vos problèmes. Non! Ça, ce sont des parenthèses que Dieu me donne à ouvrir. Alléluia! Quand on voit les boutiques vont fermer. Gabriel, Michael, j'imagine une réunion céleste d'anges, une réunion angélique. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le maître? Mais qu'est-ce qui se passe tout ça là? Il quitte le trône, tout ça là. Et imaginez le Seigneur quand il descend, c'est pas seul, parce que c'est le roi des rois. Amen. Il y a une suite royale.
Donc quand il t'a créé, il n'était pas, il est descendu, créons l'homme, donc il est descendu. Voyez le pluriel de majesté. Il est, j'imagine quand il descendait, les démons qui étaient dans la sphère spirituelle, frère, ils devaient s'écarter. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah, il descend. Le Père se met à marcher. Imaginez le Père marchant sur la terre. Il arrive dans un endroit bien précis. Il se baisse. Il va se salir les mains comme ça avec la boue. Tac, 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 la tête. Tac, tac, l'œil gauche, l'œil droit. Tac, 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 le nez, la bouche, tout ça. Tac, 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 tac. Quand il a fini bien comme il faut, les anges étaient là en train d'observer. Mais qu'est-ce qui se passe? Cool, mais il y a une créature là. Mais c'est terrible ça. Et Dieu dit, c'est pas fini. Il souffle. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussée de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie. La boue que tu es contient la grâce, frère. Oh, tu ne te rends pas compte de la grâce que tu as. Tu es une femme gracieuse. Tu es un homme de grâce. C'est pour ça que tu fais ce combat-là, parce que c'est la grâce. Il façonne comme ça, il façonne. Quand il a fini, il a soufflé. Il va partir comme ça. Il ne t'a pas créé pour galérer. Hein? Ah. Il va d'abord prévoir, avant de te créer, il a d'abord créé un jardin. Oh oui, frère. Il y avait de belles mangues. Les pommes qu'on a ici, c'est rien, frère. Non. Là-haut, là, on aura des pommes. Vous allez voir les pommes qui sont au ciel, là-bas. C'est quand vous croquez, c'est comme si ça repousse. Les bananes, n'en parlons même pas, frère. Là, sur le terre, on mange la quelle salade vous mangez ici, là. Là-haut, là. Ah, vous allez voir. Alors, il a tout créé. Il prend l'homme. Il le met dans le jardin. Il dit, Adam, tout ça c'est pour toi. Oulolo. Il dit, bon, tous les animaux, 8 mètres. Passez devant l'homme. C'est lui votre chef. Amen. Et Adam doit avoir son cahier avec son stylo. Là. Il voit deux couples qui passent. Tac, lion, lionne. Tac. Il voit deux énormes géants, les mammouths. Là. Ça existe, oui, ça existait. Ça va? Oui. Bon, mammouth. On va passer. Alléluia! Amen. Dieu est remonté après. Et depuis son trône, il admirait maintenant, il regardait son fils travailler. Il était dans la joie. Il disait aux anges, vous avez vu ça, c'est mon fils. Qui est l'homme? Ouh! T'as vu, c'est lui qui gère la terre. Mais il a dit au diable, je ne veux pas t'enlever, tu seras à côté. Là où il y a le jardin, c'est là aussi Dieu a mis le serpent. Mm-hmm. Parfois c'est bizarre. Hein? On ne comprend pas comment Dieu fonctionne. C'est pour cela qu'il est Dieu. Parfois notre tête là, ça chauffe. Tu te dis, je fais marche arrière, tu te dis, t'es coincé. Tu fais quoi? Ah, t'es coincé. C'est ça? J'aime le Seigneur. Amen. Un jour, il a dit aux apôtres, à deux reprises, hein, prenez la barque. La première fois, il n'était pas avec eux. Montez, traversez. Waouh, tous des pêcheurs, la plupart. Hein, sauf Matthieu qui avait son bureau. Qui était un PSG, collecteur d'impôts. Ah, ils sont tous précipités dans la barque. Oh, Pierre, le premier, j'imagine, parce que lui, il était fougueux. Il savait nager parce qu'ils ont appris. C'était des grands pêcheurs hein, de poissons. Frère, c'était à 3h du matin. Le Seigneur a dit, vent, oui maître, souffle. L'école de la foi. Amen. L'école de la persévérance. Ouh, tu as foi? Ben, on va te prouver pour voir si tu l'as réellement là. Paul Pierre a dit, ici là c'est... On n'a jamais vu une telle tempête depuis qu'on est né. Ben oui, c'est à cause de Jésus parce que c'est lui qui a fait la tempête. Frère, quoi faire? Quitter la barque? C'est pas possible parce qu'on ne voit pas l'horizon. Nager, vous voyez dans quelle direction? Parce qu'en dessous, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. S'il y a des requins, s'il y a des choses, on ne sait pas. Coincé dans la barque et l'eau rentre dedans, on fait comment? Tu vas prophétiser, déclarer des promesses. Tu m'as dit. Tu vas sortir tous les psaumes là. Hein? Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de Yahweh. Dieu dit, je sais, tu m'as déjà dit à plusieurs fois, plusieurs reprises. Je sais.
Ouh, Jésus de Nazareth. Seigneur, si tu me guéris, tu verras ce que je vais faire pour toi. Il dit non, j'ai déjà tout accompli. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus encore? Il mérite la gloire. Et puis, leur souffrance ne s'est pas arrêtée là. Il a rajouté encore. Lui, c'est comme ça qu'il fonctionne. Une couche. Fantôme. Ils ont vu un fantôme marcher sur les eaux. Aïe, 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 aïe. J'imagine des grands messieurs comme eux. J'imagine Jacques, Jean qui était le plus jeune apparemment, qui a dû sauter entre les dans les bras de Pierre. Aïe. Chacun pour soi, frère, ce jour-là. Le Seigneur dit, rassurez-vous, c'est moi. Pierre dit, oui, mais reste là où tu es, s'il te plaît. Je vais plutôt venir vers toi, parce qu'ici, là, c'est la panique à bord. Le Seigneur dit, viens. Un pas, tac, c'est bon. Deuxième pas, troisième pas. C'est compliqué, là. Ah, Seigneur, sauve. Heureuse, bah, quand on l'invoque, on s'est devant tous les jours. Donc, il prend Satan et dit, toi, reste à côté. Il est le pauvre, il est tout le temps coincé. Si vous savez comment il est coincé, frère. Vous savez que Satan est coincé dans le plan de Dieu. Il n'est pas hors, il est dedans. Parce que Dieu savait qu'il allait être Satan avant qu'il ne soit créé. Alors, Satan arrive à, comme vous le savez, à atteindre ce couple. Et ce couple, Adam et Ève, vont perdre leur, n'est-ce pas, gloire, la gloire de Dieu. Là, on voit pour la première fois Dieu descend pour la création. Et une autre fois, rappelez-moi c'est quand? Hein? Quand? Hein? Ah! Quand ils ont péché. Regardez, premièrement, il descend lors de la création. Deuxièmement, il descend lors de la chute. Tu te rends compte? Tu chutes. Il ne va pas te laisser dans ta chute. Mm-mm. Il va descendre encore. Ils disent, je ne l'ai pas créé pour qu'il chute comme ça. Donc je dois le récupérer. Amen. Il descend. Et Adam entend la voix du Père. Adam! Vous savez, si tu es dans un péché, tu dois te cacher. Parce que quand Dieu parle, vous voyez les éclairs là, c'est rien ça. Je vais vous dire. Les enfants d'Israël ont dit à Moïse, s'il te plaît, nous te confions un ministère. Toi, va parler avec Dieu. Dis-lui, rappelle-lui, s'il te plaît. Dis-lui de notre part qu'il reste là où il est. Qu'il nous parle depuis le ciel. On ne veut plus l'entendre parce qu'on meurt. Adam se cache. Alors, il avait des vêtements de feuilles, hein, en fait, de figuier. Qui le protégeait, qui protégeait sa nudité. Mais quand Dieu est descendu, vous savez ce qui s'est passé? Cette tenue-là, que Dieu n'a pas créée, a éclaté là, ça s'est déchiré. Vous voyez? Il se retrouve de nouveau nu. Parce que quand Dieu l'a appelé, il a dit quoi? J'ai entendu ta voix, mais je suis nu. Mais pourtant, on nous dit, un verset auparavant, avant, on nous dit qu'il était habillé en vêtements de, hein, de ceinture de feuilles de figuier. Il était couvert. Ça a éclaté. La gloire de Dieu. Frère. Quand Dieu descend quelque part, la religion éclate. Amen. Oui. Je vous dis, ça saute. Il se cache. Il dit non, reste là, j'ai peur de toi. Voilà comment l'homme a peur de Dieu. Le péché. Reste là-bas, s'il te plaît. Je dis ok. Il les chasse du jardin d'Éden. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? La troisième fois qu'il va descendre, c'était quand? Sur terre. Lors de la tour de Babel, bien. Donc, il a utilisé Noé, mais il n'était pas vraiment lui-même descendu. Hein. Depuis le ciel, il a vu que la terre était corrompue. Mais dans Genèse 11, il voit que les hommes étaient unis pour accomplir leur vision. Vous savez, quand les hommes sont décidés à accomplir un projet ensemble, surtout quand ils ont un ennemi commun, ils sont déterminés.
Heureusement que Dieu est notre Dieu. Amen. Et là, Dieu dit, ah, allons et descendons lors de la Babylone. Eh bien, il est descendu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la confusion. Dis à ton voisin, quand Dieu descend, il y a la confusion. Bah oui. Écoutez bien, s'il vous plaît, le message. Quand Dieu visite une génération par des prophètes, il y a toujours la confusion. Parce que les prophètes viennent, ils mettent un coup de pied dans la fourmilière de la religion. Alors il y a de tout qui se manifeste. C'est ça, Dieu. Il est descendu, il y a eu la confusion. Pourtant, ils avaient tous le même langage. Admettons, ils parlaient tous le français. Tous. Quand Dieu descend comme ça, ils étaient, disons, on va dire s'ils étaient 5000, il y a eu 5000 langues d'un seul coup. L'autre dit, je m'appelle Mathieu, hein, et moi, chacun. Alors, on a un souci, non? Alléluia! Voilà. D'un seul coup, il y a eu l'arabe, il y a eu l'hébreu, hein, de l'hébreu, il y a eu de l'arabe, il y a eu du français, il y a eu du chinois. De tout. Salam. Allô. Mbote. Là, c'est le Congolais. L'autre là-bas. Bon dia. Là, c'est le Portugais. Buongiorno. Là, c'est l'Italien. Bonne nuit. Le Portugais. La conf d'un seul coup. Division. Pourquoi? Parce que tu étais descendu. Waouh! La quatrième fois, c'est quand? Non. Quand il fallait délivrer les Hébreux. Comment? Ben avec Moïse, là. Alléluia! Amen. Moïse, il était. Il avait quel âge là ici? 40 ans. C'était un berger, il sentait le mouton. Moïse était un. C'était un ex, n'est-ce pas? Un ancien prince, un ancien prince qui mangeait à la table de Pharaon, qui était dans la dépression parce qu'il a été chassé, il a fui. Comme vous savez, Dieu s'est servi. Il est parti de l'Égypte, il avait quel âge? 40 ans. Et ici, il avait 80 ans. Voilà. Pendant 40 ans. De 40 ans à 80 ans, Dieu l'a brisé. Dieu l'a enlevé l'odeur du prince de sa vie. Il a enlevé tout ce qu'il avait de précieux selon les hommes. Sa prestance, Dieu l'a cassé, malaxé, brisé. Quand Dieu nous brise, là, il ne va pas sur le dos de la cuillère. Hein? S'il décide d'enlever toutes tes dents, c'est une manière de parler. Il va les arracher une par une. Même quand tu dis s'il te plaît, mets un stop. Je dis c'est non, on va arracher. Alléluia. Amen. Il n'est pas sentimental. Il dit non, tu peux pleurer, c'est bien, mais c'est pour ton bien. Moïse était un berger. Vous vous rendez compte? Prince. Hein? De la principauté à la bergerie. Il faut le faire. Hein? Allez demander au prince de Monaco, la principauté de Monaco, là, au prince de Monaco, d'aller s'occuper des brebis ici à l'Ardèche. Là. Moïse avec son bâton. Avant, le bâton, c'était pour donner des ordres. Ah, hein, le sceptre, là. Maintenant, là, c'est un autre bâton. Là. Un peu déformé, tout ça. Là. Et une brebis qui s'est garée. Ah, oh, il suivait. Il est à l'école. Comment gérer les hommes? Dieu là a commencé par les animaux. Ne méprise pas les jours de faible commencement. Amen. Vous voyez comment Dieu fonctionne? Le métier de Moïse là correspondait à son travail futur. Et Dieu le dit. Alors ici là, Dieu va le visiter. Moïse voit un buisson qui brûlait tout ça, qui ne se consumait pas. Il dit mais c'est quoi ces visions là? C'est quoi ça, frère?
celui qui a reçu l'appel de Dieu, celui que tu as appelé, il doit d'abord voir. Amen. Si tu ne vois pas, quand tu auras les combats, tu vas lâcher. Je vous dis, si je n'avais pas vu, mais avec les combats que l'on a ici et là, on lâche. Je vous dis. Qui tiendrait face à l'adversité si Dieu n'est pas avec lui? S'il n'a pas vu. Mais comme j'ai vu le ciel plusieurs fois, j'ai vu Gabriel par la grâce de Dieu, j'ai vu l'archange, tout ça là. Frère, tu peux dire tout ce que l'on veut, tout ce que tu veux. Je m'en fous. Je m'en fiche parce que j'ai vu. Tu peux dire Dieu n'existe pas, moi j'ai vu. Ouais. Quand tu vois des malades comme ça guérir cancer, mais je vois. Qu'est-ce que tu veux ne plus croire? Mais tu crois forcément. Amen. Moïse a vu. Dis à ton voisin, il faut que tu vois. On comprend mal quand Paul a dit nous ne marchons pas par la vue mais par la foi. On comprend mal ça. La foi, c'est le fait de voir dans l'esprit. Ah ouais, c'est ça la foi. Parce que notre esprit voit. Amen. Moïse, Dieu l'appelle. Moïse, Moïse, il dit me voici. Ne t'approche pas d'ici. Ôte tes souliers. Ton zèle amer, enlève ça. À cause de zèle amer, tu as tué un Égyptien 40 ans auparavant. Enlève ça. Imaginez un berger comme ça là qui se met à ses deux. J'imagine ces brebis qui devaient le regarder. Qu'est-ce qui se passe ici là? Alléluia. Amen. Moïse, tac, enlève. Bon, Moïse, je suis le Dieu de tes pères. Non, Dieu est magnifique. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Moïse, oula, oula, on m'a parlé de ce Dieu. Ok, Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est pour cela que je suis descendu. Waouh! Est-ce que vous vous imaginez? Dieu qui est descendu pour te créer. Il est redescendu pour te reprendre par rapport à ton péché, mon péché. Et il est redescendu pour notre délivrance. Frère, aucun Dieu ne descend comme le nôtre. Aucun. Vous ne vous rendez peut-être pas compte. Vous savez, je vous dis une chose. Il y a des villes que les riches de ce monde ne veulent pas fréquenter, ne veulent pas visiter. Parce qu'ils sont trop élevés. Vous avez vu Bill Gates ici, là, à Ivry, là? Hmm? Non. Ça prend le jet privé, ça vole là-bas, ça va seulement dans des lieux. Voilà. Ils sont entre eux. Ouais. Les riches, là. Vous avez déjà croisé un riche, là, à Carrefour, en train de faire des courses? Non. Non! Vous allez faire votre course à Kiabi là-bas, la Kiabi. Vous avez vu Bill Gates, la Kiabi? Non. Ils ont le cercle. Mais c'est comme ça. Mais notre Dieu qui est au-dessus de tout ça, amen, il est descendu. Amen. Et pour délivrer son peuple, il va se servir d'un homme. Dieu se sert des hommes pour délivrer les autres. Amen. C'est comme ça qu'il procède. Il dit, va libérer mon peuple. Moïse connaissait l'Égypte. Il dit, non, Dieu, je bègue. Je bègue. En fait, en hébreu, littéralement, Moïse disait, ma langue n'est pas circoncise. Voilà. Voilà ce qu'il disait au Seigneur. Donc, toi, tu veux aller libérer les gens. Tu ne vois pas que j'ai un défaut, là? Attends, voyez comment Dieu fonctionne. Il confie à quelqu'un la mission de parler et il sait que la personne a du mal à s'exprimer. S'il avait pris un philosophe, le philosophe allait dire, non, mais c'est ma philosophie. Dieu tient sa gloire. Hein? Ah oui, frère. Quand il m'a dit de faire la révision de la Bible, frère, je me suis réveillé, je me suis dit, non, là, je crois que c'est une vision bizarre. Parce que, voilà, ben non, Seigneur, c'est pas possible, tu t'es trompé là, c'est pas possible. Moi, Dieu, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, avec qui veut. Il envoie qui il veut, il utilise qui il veut, il libère qui il veut, il sauve qui il veut, il élève qui il veut, il apaise ce qu'il veut. C'est ça, Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Il dit, va en Égypte.
Moïse savait que sa vie était menacée là-bas. Il retourne là-bas. Et Moïse savait qu'il allait avoir affaire au serpent. Une des divinités principales de l'Égypte. Et Dieu lui donne à expérimenter l'autorité du royaume. Moïse a saisi le serpent par la queue. Logiquement, quand tu attrapes un serpent par la queue, qu'est-ce qui se passe? Il te mord. C'est au niveau de la tête qu'il faut l'attraper. La queue peut bouger comme ça, mais la tête est déjà maîtrisée. Mais là, Dieu dit bizarrement à Moïse, attrape-le par la queue. Pour te montrer que tu as l'autorité sur ce serpent-là. Allez, va. Frère, il y avait des enfants qui avaient besoin de la délivrance. Et qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Pharaon, on connaît l'histoire. Le peuple travaillait pour Pharaon. Le peuple était en prison. Le peuple bâtissait des temples pour Pharaon, des magasins pour Pharaon. Le peuple payait un impôt à Pharaon. Le peuple était empêché de servir le Seigneur. Et Dieu dit à Moïse, va, je serai avec toi. Moïse dit, ah non, on voit quelqu'un d'autre. Ah non, non, là, tu t'es trompé, là. Je dis, ok, Aaron, ton frère, voilà, je l'envoie vers toi. Il te servira de porte-parole. Allez-y. Le même bâton que Moïse avait, Dieu l'a transformé. Le même bâton. La grâce que tu as, que tu minimises, c'est celle-là que Dieu veut utiliser. Amen. Le don que tu as là. Va avec le don là. Don de vision, don de songe. Va! Jesus Christ. Alléluia. Va! 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 Oh, alléluia. Alléluia. Il y a des choses ici. Il y a quelque chose. Il y a des choses. Tu vois ça? Ce que tu as là, le bâton que tu avais, que tu minimisais là. Le don de vision prophétique que tu minimises là. Oh! Il se passe des choses. Regardez-moi ça. Voici la puissance de Dieu. Oh, tu l'as fait. Oh mon Dieu. Il y a le feu ici. Il y a le feu ici. Il y a le feu ici là. Oh. Waouh. Regardez-moi ça là. La gloire de Dieu ici là. Waouh. Oh. Il y a de l'huile sainte. De l'huile sainte qui descend sur toi. Prophète de Dieu. Prophétesse de Dieu. Homme de Dieu. Femme de Dieu. Guerrier, guerrier. Voici. Quelque chose. Il y en a qui ont reçu ce mandat d'aller libérer les âmes, d'aller sauver les églises. On ne pourra pas les intimider. On ne pourra pas les empêcher de répondre à l'appel. Ils ont le bâton de commandement. Ils ont l'autorité royale. Ils ont le bâton apostolique.
Ils vont remporter de victoire dans le royaume de Dieu. Au nom de Yeshua. Laurent. Dieu va te visiter comme Moïse. Parce que tu as un mandat. Parce que tu as un appel. Parce que tu as une mission. Mais tu ne mourras pas. Les maladies ne pourront pas t'atteindre. Parce que l'œuvre doit se faire. Les chaînes doivent être brisées. Oh là! Ce n'est que le début de ce que Dieu veut faire avec toi. Le début. Dieu va toucher ton entourage. Tu vas aller voir les pharaons et dire libérez le peuple. Libérez le peuple. Libérez le peuple de Dieu. Ne peut pas t'envoyer en mission sans t'avoir touché, sans t'avoir visité, sans t'avoir fait vivre un certain nombre de choses, d'expériences. Tu dois d'abord goûter à l'expérience divine pour que ta foi soit fondée sur sa puissance. Pas repartir les mains vides en Égypte parce que c'est un défi que tu vas lancer à Pharaon. C'est un défi que tu vas lancer. Voilà pourquoi Dieu dit à quelqu'un le message que je te donne depuis quelque temps. C'est pour aller libérer ce pays. C'est pour aller libérer cette nation. C'est pour aller libérer ce peuple. Et tu le sens de plus en plus. Oui. Dieu dit, Yahweh parlera. Quand Yahweh parle, qui ne prophétisera? Oui, quand Dieu parle, quand Dieu descend, les ministères des prophètes sont suscités. Quand Dieu parle, des Moïse sont suscités. Quand Dieu parle, des Élie sont suscités. Quand Dieu parle, des Michel sont suscités. Quand Dieu parle, des guerriers et des guerrières sont suscités. Quand Dieu parle, et dans notre génération, Dieu parle. Dans notre génération, Dieu a parlé. Dieu parle. Dieu a envoyé des rouleaux pour libérer l'Église, pour libérer les chrétiens, afin qu'à leur tour, ils aillent libérer les païens. C'est pour cela ce livre, on l'a appelé Exode. La délivrance, la sortie de la prison, la sortie des cachots. Pharaon ne sera plus ton maître. Le diable ne va plus contrôler ta vie, ni tes enfants, ni ton mari, ni ta fille pour laquelle tu as prié, ni tes fils pour lesquels tu as jeûné. Personne! Pharaon qui a régné dans ta famille, sur ta famille pendant depuis des années et des années, mais arrivé à ta génération, c'est la génération de l'exode, la génération de la délivrance, la génération de la guérison, de la restauration. C'est ta génération! C'est ta génération
qui met fin à la captivité de ta famille, c'est ta génération qui met fin à la sorcellerie dans ta famille, c'est ta génération qui met fin au célibat, qui met fin au cancer, qui met fin à la confusion, qui met fin. C'est ta génération, jeune fille. Ta génération. Dieu a attendu ta génération. Tu fais partie d'une génération merveilleuse, une génération excitante où Dieu est venu, Dieu est descendu. Jesus Christ. Wow. Pendant les années, tu as suivi les faux ministères, tu as suivi les faux bergers qui t'ont débrouillé, tu étais dans la distraction. Ma fille, aujourd'hui, c'est ton jour, maintenant, c'est ton temps. C'est ta génération. La génération de Josué. Oh my God. Oh my God. Ne pleure plus mon enfant. C'est ta génération. La génération de la délivrance, de la restauration. Tu as assez pleuré, ta famille a assez prié. Tes parents ont assez jeûné. Moïse arrive à l'Égypte pour confronter l'ennemi des Hébreux. Il est allé dans le palais du roi de l'Égypte. Dieu va aller à la source de tes problèmes. Oh mon ami. Et Moïse a démontré en Égypte les miracles du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas de bla 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 bla. Ne consiste pas seulement en paroles. Il y a la démonstration. Et ceux qui n'ont pas le don de miracles, ils vont critiquer les miracles parce que la jalousie. Les miracles sont bibliques. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh mon nom, ils chasseront les démons. Dieu est le même, Yeshua est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Moïse arrive en Égypte, la lumière arrive en Égypte. Moïse rassemble le peuple pour lui dire, Dieu m'a parlé. Le Dieu d'Abraham s'est souvenu de son alliance. Dieu se rappelle toujours de son alliance avec toi. Lorsqu'il t'a créé avant que le monde ne soit. Lorsqu'il t'a conçu dans sa pensée avant que la terre ne soit formée. Moïse confronte Pharaon. Pharaon s'est opposé. Ce n'est pas parce qu'il y a l'opposition que Dieu n'agit pas. Au contraire, l'opposition prouve que Dieu a l'œuvre. Que Dieu est à l'œuvre. Oh my God, il est là, il y a quelque chose ici là. Il y a quelque chose ici. Plus il y a l'opposition, plus l'onction augmente. Plus il y a l'opposition, plus les démons sont vaincus. Plus il y a l'opposition, plus tes ennemis sont confondus. Il se passe quelque chose de particulier aujourd'hui. Ton niveau de combat égale le niveau de ton onction, le niveau de ton autorité dans le royaume, le niveau de ton autorité dans le royaume de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. Dieu t'a libéré. Les ennemis tiers vont s'associer contre toi parce que tu as l'onction. C'est ça l'élévation. C'est ça l'élévation. Dieu veut faire éclater sa gloire dans ta famille, dans ta vie. Les mauvaises nouvelles précèdent les bonnes nouvelles. Ce que ton médecin t'a dit, ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est ce que tu as dit. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Ah.
Qu'est-ce qui se passe ici? Vous inquiétez pas, il se passe qu'il se passe des choses. Oui. La parole de Dieu, mes amis. On a Yeshua. Dieu est magnifique. Pharaon s'y oppose. C'est normal que les gens s'opposent à ta délivrance parce qu'ils ne veulent pas te voir libre. C'est normal qu'ils combattent ceux et celles que Dieu envoie pour te parler. C'est logique, c'est biblique. C'est normal. Vous ne pouvez pas avoir le mandat, avoir reçu le mandat du Seigneur et pour libérer les gens et être acclamé par tout le monde. C'est pas possible. Moïse arrive là-bas. Il confronte Pharaon. Pharaon dit non, tu ne laisses pas. Je ne laisse pas le peuple aller servir Yahweh. Qui est Yahweh d'ailleurs? Dieu dit, Dieu m'a dit, Pharaon, de libérer son peuple afin qu'il le serve. La délivrance nous amène au service. Waouh! La belle-mère de Pierre ne pouvait pas servir Jésus-Christ tant qu'elle était malade. Il fallait d'abord qu'elle soit guérie, restaurée. On ne peut pas servir Dieu malade. Notre Dieu est le Dieu de la guérison, frère. Il s'appelle Yahweh Rapha. C'est pour ça que dans notre royaume, il n'y a pas la psychologie. Il n'y a pas d'antidépresseurs. Il n'y a pas la dépression. La dépression va partir, elle va être... Oh my God, alléluia. Moïse confronte Pharaon comme ça. Pharaon dit, Moïse, je te connais, non? Ouais, mais le Moïse d'hier, là, et d'aujourd'hui. Celui d'hier, là, il était prince, mais celui d'aujourd'hui. Il était prince de l'Égypte, mais celui d'aujourd'hui, il est prince du ciel céleste. Ah bon? Ouais, le bâton. Mais c'est quoi ce bâton? Attends. Pharaon envoie ses serpents. Je dis, allez, Moïse, ton bâton. Le serpent de Moïse, comme vous le savez, a avalé les autres serpents. Tes ennemis seront avalés. Un à un. Vous savez, un serpent, là, quand il s'agite, là, il peut faire peur. Hein? Ne tremblez pas d'un petit serpent. Deuxième miracle, Pharaon aussi opère le deuxième miracle. Troisième miracle, il copie aussi. On peut copier, mais il y a un niveau qu'on ne peut pas atteindre. Il y a des degrés. Notre Dieu, vous savez, quand Dieu a visité Jacob, il y avait une échelle. 2, 3, 4, 5, 7 marches, je ne sais pas. Tu peux essayer la première marche, la deuxième, arriver à la troisième, là c'est le vertige qui commence. Des choses qu'on ne peut pas copier comme là une telle réunion. On copie pas. Non. Amen. Les gens sont partout dehors là-bas, dehors. On ne copie pas. Là-bas c'est plein partout dans le monde entier. Même les détracteurs sont, ils suivent. Pourquoi? On peut pas copier parce qu'ils sont obligés. Et nous les saluons parce qu'on les aime. Amen. C'est ça Jésus. On ne copie pas. Tiens ton voisin. Il y a des choses qu'on ne peut pas copier, reproduire. Un jour, les fils de Séva, ils ont vu Paul, comment Dieu l'utilisait. Ils ont regardé Pierre, Paul. Ils ont appris comment Paul marche. Sa démarche, ils ont copié. Ils ont copié son sourire. Aussi. Ils ont copié sa manière de parler. Pareil. Mais arrivé au niveau de l'onction, ils sont allés chercher un fou dans un asile. Ils sont enfermés avec lui. Au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. J'aime Jésus. Frère, je vous dis, je ne sais pas l'orgueil, je suis fier de mon Dieu. Je suis fier de la grâce qu'il m'a faite. Ah oui, je vous dis. C'est ça. On dit l'orgueil, non, c'est pas ça. C'est ça la grâce.
dit, j'ai travaillé plus que tous. Toutefois, non moi, mais la grâce. C'est ça, frère. Qui peut rassembler autant de noir, blanc, jaune, marron, chocolat? La grâce, le Seigneur. Ah oui? Même les bébés, ils sont tous là. On est dans la chaleur, c'est sous la chaleur, mais on est tous là. Alors, il commence au nom de Yeshua que Paul prêche. Le démon s'est arrêté un peu. Attendez. Paul, Jésus, je le connais. Là-haut, là, c'est lui qui nous a formé en fait. Paul, il nous fait souffrir comme ça. Je sais qui il est. Je connais sa mère, son père, ses frères et soeurs. J'ai essayé, mais rien à faire. Ils sont protégés. Amen. Vous, là, c'est qui? Avec vous, là, c'est comment votre histoire avec moi, là? Oui, mais notre père est sacrificateur, il est souverain. Parce qu'ils étaient tous sacrificateurs. Hein. Notre père est souverain, sacrificateur. Mais oui, mais votre père, c'est sous Moïse, non? Là, là, c'est sous la grâce. Ils font l'onction de Yaya, là, le grand frère. Là. Vous, là, c'est comment? Frère, ils étaient sept. Il y a un seul démon contre sept sacrificateurs. Tu peux porter le nom de sacrificateur, le titre, et ne pas porter l'onction. On peut t'appeler apôtre, prophète et être vite. Moi, je peux t'appeler frère. Attention. La différence, ce n'est pas au niveau des titres. Prenez les titres. Gardez les bishops, archibishops, papes, monseigneur, cardinaux, tout ce que vous voulez, les prélats. Prenez. Sont là, il faut qu'ils sachent qui est avec Dieu, amen. Qui a été mandaté. Amen. Et les chrétiens, faut dire à ton voisin, ils ont les yeux, ils voient. Dis, ils ont les yeux, ils voient. Ah ah. Dieu est là, mon frère, trésor. Amen. Je te dis, c'est lui qui me pousse à parler comme ça. On a pris les bâtons, les 12 bâtons des princes d'Israël. Parmi ces bâtons, il y avait celui de Aaron. Amen. Maintenant, devant le peuple, lequel allait fleurir? J'imagine le bâton de la tribu de Judas, le prince commença à parler en langue. 3 jours à sec, aucun fruit. Le bâton d'Issacar, aucun. Les 11 sont venus avec le parlant langue, avec leur théologie, tout ça. Rien. Non, moi je suis dans une église, machin, tout ça, je suis le président des pasteurs. Rien. Lévi, je suis convaincu qu'il mangeait. Il mangeait sa. L'épaule hein, et la poitrine qui lui revenait quoi, par rapport au fond d'action de grâce. Pendant que Dieu s'occupait de son bâton. Pendant que toi tu dors, là, Dieu s'occupe de toi. Amen. Le lendemain, on sort tous les bâtons. Et le bâton d'Aaron avait fleuri des amandes. Amen. Frère, on ne l'avait même pas enterré. Ça a fleuri. La résurrection. Tu vas porter les fruits malgré toi. Parce que ce sont des œuvres que tu as préparées d'avance. Alléluia. Alors. Alors, comme on ne comprend pas comment Dieu avec toi, on va dire non, en fait, ce n'est pas Dieu, c'est la magie. Bon, si c'est pas la, si c'est la magie, toi qui as le Saint-Esprit, fais mieux. C'est ça. Alléluia. Bon. Non, en fait, s'il n'y a pas la dîme, c'est parce que les Américains sont derrière. Bon, si ce sont les Américains, mais toi, cherche les Chinois. Parce que c'est la puissance économique aussi aujourd'hui. Dis à ton voisin, distraction. Confusion. Jalousie. Mensonge. Hypocrisie. Échec sur échec. Échec sur échec. Non, non, Jésus est trop bon. Il fait vraiment ce qu'il veut. Amen. Frère, écoutez bien ça, un message pour vous, pour vous encourager. Le quatrième miracle, Dieu a envoyé, je ne sais pas ce que je crois que c'est des poux. Hein. Bah! Frère, les pharaons sont venus, les magiciens sont Jeannès et Jambres, les apôtres de Pharaon. Comme les prophètes de Baal. Du matin au soir, Baal, Élie était seul. Allez continuer le Baal est parti en voyage, en vacances. Frère, je vous dis, je suis fier de mon Dieu.
Et je suis là devant les prophètes de Baal. Allez, faites encore, allez-y. Et moi, je suis avec mon Dieu. J'adore mon Dieu. Dieu fait son œuvre. Pendant que moi je prie, je dors, Dieu donne des songes aux frères et sœurs. C'est mon serviteur, c'est mon serviteur. Les gens disent, oh, Dieu nous a parlé, Dieu nous a parlé, Dieu nous a parlé. Ils disent, c'est ça l'esprit de Dieu. Alléluia. Frère, quatrième miracle, le pharaon, les magiciens ont dit à Pharaon, maître, là c'est le doigt de Dieu. On ne peut pas copier. Ah bon? Il est là, c'est pas possible. Frère, imaginez à la dixième plaie, les premiers nés. Ça a commencé par Pharaon. Jusqu'au dernier homme du royaume. Même les animaux. Chez les animaux, ça pleurait. Bé, les chiens. Les canards. Tout le monde pleurait là-dedans. Chez les Hébreux, tous les premiers nés étaient consacrés à Yahweh. Oh my God. Alléluia. Tu appartiens à Yahweh. Tu fais partie des premiers nés. Oh, alléluia. Frère, imaginez Moïse qui marchait devant une armée d'hommes et femmes. Mes amis, non seulement qu'ils sont sortis d'entre les griffes, hein, des griffes de Pharaon, mais Dieu a dit, vous n'allez pas sortir, quitter l'Égypte comme ça. Vous avez beaucoup travaillé pour ce pays. Vous allez dépouiller vos voisins. Non, j'aime Dieu, quoi. Alléluia. Frère, les Égyptiens étaient dans la terreur. La présence des Hébreux a mené la terreur. Vous savez, moi, je suis chez moi, je dors. Je ne m'occupe pas des gens. Je m'en fiche des gens ici et là. Les enfants de Dieu, non. Mais les gens qui n'aiment pas Jésus, frère, je prie pour eux. Je m'en fiche des critiques à gauche, à droite. Mais il y a des gens qui pensent que je suis partout. La terreur. C'est comme ça, c'est ça l'onction royale. Ils te voient partout. Il est à gauche, il est à droite. Ils sont pas tranquilles, frère. Moi, je dors. Alléluia! Tiens, ton voisin, c'est ça l'évangile. Écoutez, je suis parti au Canada il y a quelques années en vacances. Tous les pasteurs ont fait une réunion contre moi. L'antéchrist arrive, le magicien, l'impudique arrive, le sorcier arrive. Je dis, mais je suis en vacances. Alléluia! Ils ont fait la pub partout. Ceux qui n'étaient pas au courant, tout le monde était au courant. Maintenant, tout le monde cherchait. Il est où? Il va faire les rayons où? Je suis en vacances. Alléluia! Non, j'aime ça, frère. J'aime. Il faut aimer. Il faut aimer la guerre. Peut-être on aime la guerre! Je veux parler aux guerriers. Amen. Je veux parler aux combattants. Amen. Aux combattantes. Amen. Paul dit, combat le bon combat. Oh, Jesus Christ. Tu vas amener la terreur. Tu es chez toi, tout le monde pense que tu es partout. Non, il est au Canada. Non, il n'est pas là-bas. Non. À cause de la peur, ils vont faire des dégâts eux-mêmes. Vous avez vu les Hébreux? À cause de la peur qu'ils se mettent dans les camps des ennemis, les ennemis entre eux s'entretuent. Alors les Hébreux qui s'apprêtaient à sortir de l'Égypte, les Hébreux, les Égyptiens étaient de la terreur. Alors imaginez, ils sont partis voir leurs voisins. Janine, oui, Hébreu, ma copine Hébreu, hébraïque. Hein? Bon, ton vase là que j'aime beaucoup là. Tiens, s'il te plaît, parle ici, parle ici. Tiens, en plus de cela, je vais te donner quelque chose que je n'ai jamais vu. Sous mon lit, encore notre vase. Tiens. Mais s'il te plaît, quitte le quartier. Frère, ils sont sortis avec beaucoup d'or. Vous savez ce qu'ils ont fait avec? Ils ont construit le tabernacle. Ils ont construit la maison de Dieu avec. Je vais te dire une chose. Tu vas arriver dans la maison de tes ennemis, chez eux, ils vont trembler. C'est ce que Dieu me dit. C'est l'onction qui le répand. D'ici jusqu'à la fin de l'année, vous allez voir ça. Il va y avoir de la terreur partout. Parmi vous, il y en a quand ils vont rentrer dans leurs appartements, là, les voisins seulement. Vous allez voir. Vous allez commencer à les entendre crier. Ah! N'appelez pas les pompiers. Allez éteindre le feu. Ce sont les démons, chassez-les. Alléluia! Dieu est bon!
Il y a quelque chose, hein. Tu vas arriver là où tu travailles, dans ta boîte. Le patron te dira, je démissionne. La sœur qui a témoigné samedi dernier, vous vous rappelez? Elle a vu son professeur, le professeur qui l'a opéré en songe. Quand elle lui a dit toutes ses vérités, le professeur ne veut plus la voir. La terreur. C'est un grand franc-maçon certainement. Il a vu qui est cette femme. Les sorciers voient. Ceux qui vous combattent feront. Vos ennemis sachent qui vous êtes. Dans le royaume de Dieu, qui est votre Dieu? David et Goliath. Il y a beaucoup de David ici. Il y a beaucoup de David ici. Des David qui étaient abattus, que Dieu restaure. Des intercesseurs, des combattants, des combattantes. Tu as été blessé hier, mais aujourd'hui Dieu te récupère. C'est pas fini. Il n'a pas fini son œuvre avec toi. Imaginez, ils sont sortis de l'Égypte avec leur salaire. Dieu te rendra, il te va te payer par rapport à ce que tu as fait. Hein? Il est juste. Il va t'attribuer un salaire. Frère, l'or, l'argent, parce que Pharaon ne les payait pas correctement. Cette fois-ci, là, ils ont dépouillé l'Égypte. Ils sont partis avec. Des choses, hein. Je ne sais pas quoi. Il y a des gens qui retrouvent leur relation avec le Père, leur communion, leur intimité. Pendant des années, des faux enseignements ont bloqué ton fonctionnement. On t'a enfermé dans une prison. On t'a empêché de servir Dieu, d'aller prier ici et là, là où Dieu voulait t'envoyer. Mais depuis, tu sens une délivrance. Et on te traite de rebelle. Non, tu es délivré, tu es libéré de Pharaon. Ils sont sortis, ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont été libérés. Le Seigneur les a restaurés. Moïse pose la question, quel est ton nom? Il dit, Yeshua dit, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Et la dernière fois où Dieu est descendu, il est dit dans Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour rendre témoignage à la lumière, mais il n'était pas la lumière. Cette lumière est venue pour éclairer les hommes. Toutes choses ont été faites par elle. Jesus Christ. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien. Même le diable qui te combat, il était un ange créé par la parole. Jesus. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous avec pleine de grâce. Oh mes gars, et à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir.
qui te change en un, en quelqu'un que Dieu utilisera. Il aura donné le pouvoir. Oh, tu as reçu un mandat. Tu as reçu une autorité. Tu as reçu l'autorité gouvernementale. L'autorité que tu as reçue, elle est gouvernementale. C'est-à-dire quoi? Elle est au-dessus de tous les gouvernements. Elle est au-dessus de toutes les autorités. Elle est au-dessus de tout royaume. Elle est au-dessus de toute puissance. Elle est au-dessus de tous les pasteurs, de tous les apôtres. Elle est au-dessus de toute difficulté. Vous inquiétez pas, Dieu fait ses affaires. Dieu n'est pas mort, c'est pas l'église catholique, Dieu est vivant. Dieu, quand il parle, sa parole opère, sa parole guérit, sa parole chasse les démons, sa parole amène la joie, sa parole amène la restauration. C'est la parole qui est vivante. Dieu est esprit et vie. Vous savez, la parole vivante comme ça, là, la vie, même là où il y avait un AVC, Dieu restaure. Là où il y avait le sida, Dieu restaure. Là où il y avait le cancer, le diabète, l'hépatite, tout ça, là, Dieu restaure en profondeur. Là où il y avait les problèmes d'estomac, Dieu restaure. Là où il y avait, frères et sœurs, la dépression, Dieu restaure. Les maris d'ennemis sont chassés. Les femmes d'ennemis sont chassées. Maintenant, quittez le corps. Oh là, Yeshua. La parole, Dieu est descendu maintenant, c'est Jésus. Mes amis, vous vous rendez compte? Dieu a tant aimé ta vie qu'il a donné le meilleur. Oh Jésus, mon ami, Jésus, mon bien-aimé, il est descendu de nouveau. Pendant 33 ans et demi, il a vécu à nos côtés. Pendant 3 ans et demi, il a exercé un puissant ministère. Pendant 3 ans et demi, il a libéré les captifs. Voilà l'information dont tu as besoin. Je ne te parle pas de Jésus catholique. Je te parle de Jésus vie, mort et ressuscité. Le Dieu de gloire, le Dieu d'Israël. Il est beau, il est tout puissant, il est vivant, il règne, il commande aux démons et ils obéissent. Il commande à la mer et la mer obéit. Il parle au vent et le vent cesse. Il parle aux femmes et les femmes sont libérées. Il a libéré Lazare de la mort. Il va libérer ta famille de la mort. Il a chassé les 7 démons de Marie de Magdala. Il va chasser les démons qui te combattent, qui combattent ta famille. Il est descendu Dieu. Philippe lui pose la question, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Oh non. Je suis... Mais, hey, frère, c'est terrible. Quand il est né, l'ange a dit, c'est Emmanuel. Dieu, parmi les hommes. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Dieu parmi les hommes qu'il a agréé. Waouh! Vous savez ce qu'il a fait Jésus? Il, à sa naissance, le roi Hérode va commencer à trembler. Un bébé. Il n'était qu'un bébé que Hérode a lâché, prise. Il est allé dans le désert. Vous savez ce qu'il est parti faire là-bas? Il est allé chercher les démons. Dans leur camp. Les confronter. Démons. De haine.
démons de maladie, démons d'homosexualité, démons d'impudicité. Il est allé dans leur camp. Il les a confrontés. Et c'est là que Satan est venu l'attaquer. C'est parce qu'il est allé le confronter. Quand il est sorti de là, frère, il était revêtu. Il est allé maintenant où? Après le désert, où il y avait les démons, il est allé dans les synagogues. Vous savez pourquoi? Posez-moi la question pourquoi. Les synagogues, c'est comme nos églises aujourd'hui. Remplies de démons. Commerce là-dedans. Ah ouais? Vente des CD, concerts payants. Si vous avez, vous voyez une église où l'on vend des CD, où l'on vend une formation biblique, où l'on vend, on vend des formations de Bible, prenez vos jambes à vos cous. Sortez de là. C'est le diable qui est assis là-dedans. D'accord? Priez dans les groupes de maisons à gauche, à droite, ou les petits groupes où il y a la vérité. Mais s'il y a le commerce seulement, c'est le dieu Mercure. C'est un démon qui est là-dedans. Voilà. Il y en a qui font ça par ignorance. Mais il faut les avertir. Il faut sortir. Dieu s'en occupe là. Le Seigneur va lui faire du bien. Alléluia. Vous avez vu dans Paris, beaucoup de gens commencent à faire maintenant des concerts gratuits. Après, ils rajoutent quand même libre participation. On va encore marteler. Alléluia. Il a un peu pris au niveau de son ventre, hein, ça fait. Il y a quelque chose. Il est allé dans les synagogues. Et quand il entrait là-dedans, qu'est-ce que les démons disaient? Qu'y a-t-il entre toi et nous? Les démons étaient à l'aise là-dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans le temple. Tout ça pour quel but? Dans quel but? Libérer les âmes. Libérer les âmes. Délivrer les âmes. Écoute bien. La malédiction ne peut plus t'atteindre. Tant que tu resteras dans la crainte de Dieu. Rien. Le monde entier peut se réunir contre toi. Zéro. Ils vont faire un bruit pendant quelques temps, ils vont disparaître. D'accord? Je me rappelle, il y a quelques années, quand ce monsieur qui enseigne maintenant que Jésus-Christ est noir, vous vous rappelez, je ne citerai pas son nom. Il ne faut pas lui donner de l'importance. Il ne faut pas que les gens aillent chercher. Je me rappelle encore quand il a fait des vidéos contre nous. Tout le monde était. On m'appelait pour dire mais t'as vu. Je leur ai dit c'est un feu de paille. Laissons. C'est pour vous dire que si Dieu vous a appelé, attendez-vous à ce que certains vous acclament et que d'autres vous tapent. C'est biblique. C'est biblique. Et on est resté en prière. Parce que Dieu était descendu pour me parler. Parce que Dieu est en nous. Frère, on a prié simplement. Je me rappelle encore à l'époque, les gens me disaient, vous faites des vidéos, vous répondez. Non, mais non, pourquoi? Aujourd'hui, il enseigne quoi? Jésus-Christ est noir. Et ceux qui l'avaient suivi maintenant, ils ont mis un frein. Oula. Faites le travail de Dieu. Le Seigneur est avec vous. Vous, les enfants de Dieu, travaillez. Vous savez, ce grand projet que Dieu nous a mis à cœur sur la paroi, la révision, c'est un travail énorme. Nuit et jour, nous travaillons. Croyez-moi. Et les choses que l'on découvre sont immenses. Comme je vous l'ai dit, je vous l'ai dit et que les frères et sœurs vous le disent également, attendez seulement le 19. Amen. Le 19 décembre, je suis convaincu que, vous savez, en 2012, il y avait au moins 3000 personnes qui étaient là. Là, on attend au moins le double. Il va y avoir des débarquements. Donc, Dieu est descendu. Thank you.
vous qui avez été délivré, à chaque fois que vous avez des combats, des problèmes, des doutes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller devant Dieu. Amen. Père, parle-moi. Amen. Dieu vous parle. C'est ça. Père, qu'est-ce que tu dis? Dieu vous parlera. C'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Pas dans les agitations. Calme. Dans la paix. J'ai vu des gens qui hier disaient, ce monsieur, ça, c'est le diable. On l'a attrapé dans un hôtel. J'ai vu des monsieur Jean là, revenir au dire, à cause de la colère, j'avais dit ça là, pardon. Vas-y. Il faut bénir Dieu. Amen. Dis à ton voisin, bénis Dieu. Aujourd'hui, nous avons voulu vous faire comprendre que Dieu est descendu. C'est l'exode. Le Seigneur est venu. Il nous a déjà libérés. Rappelle à l'ennemi combien tu es délivré. On n'a plus peur de la mort. Nous, les chrétiens, nous ne craignons plus la mort. Amen. Non. On n'a pas peur du chômage. Non. Pourquoi? Ceux qui ont peur du chômage sont ceux qui n'ont pas de l'espérance. Voilà. Je ne veux pas te dire, fais une offrande, tu auras du travail. Non, ça c'est anti-biblique. Non. Tu es délivré, Dieu est descendu pour te parler. Qui fait parfois des songes de la part du Seigneur? Qui reçoit des songes de temps à autre? Alors tu sais ce qui se passe à chaque fois? Eh bien Dieu descend la nuit pour te parler. Pourquoi? Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Tu comptes beaucoup pour le Seigneur. Dis à ton voisin, ne te minimise plus. Regarde, ce n'est pas ce que les gens disent sur toi qui importe. C'est ce que Dieu dit. Ce n'est même pas ce que tes yeux te montrent. Les enfants d'Israël devant les enfants d'Anak se sont vus comme des sauterelles. Ils ont dit, hein, nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Ne laisse plus tes yeux te faire croire n'importe quoi. Crois ce que la Bible dit. Amen. La Bible dit que les chrétiens authentiques sont membres du royaume de Dieu. Amen. Je le crois. La Bible me dit que mon pasteur n'est pas un homme, c'est Jésus-Christ. Je le crois. Amen. La Bible me dit que je suis prince, roi, sacrificateur. Je le crois. Amen. Et en tant que roi, je me comporte comme un roi. Amen. Ah ouais? Amen. Écoutez, quand il y a un cortège royal qui passe, commencez à... Si les païens, les méchants insultent le roi, est-ce que le roi va s'arrêter? Non. Vous dites, non, attendez, je suis quand même un roi. Non. Le roi. Il fait chaud. Hein? Ta manière de t'habiller doit être royale. Pas des profs, des côtés, je ne sais pas, on voit tes seins. Non. Tu es habillé comme une femme qui sert Dieu. Même quand tu es dehors dans le train, tu es habillé royalement. Tu ne donnes pas aux gens l'occasion de te regarder. Voilà. Tu te couvres. D'accord? Les enfants de Dieu. Pendant que tout le monde est complètement dévêtu, toi tu es vêtu. Voilà. Ta belle famille t'insulte. Tu bénis. Tes beaux-parents te critiquent. Tu restes dans le calme. Alléluia. Amen. Voilà. Ton beau-père, hein, ton futur beau-père, jeune fille, qui a du caractère là. Tu sens que ce monsieur. Avec ton caractère là, ça passe pas. Je parle avec une jeune fille ici. Mais reste calme. Amen. Dieu me dit que tu te sers de ce temps pour te travailler un peu. Hein? Voilà. Tu es roi, tu es princesse. Tu es délivré. Délivré de toi-même.
de la peur du lendemain. Comment je fais demain? Je fais comment? Oh là là, j'ai beaucoup de crédit, alors si j'ai plus de boulot, je fais comment tout ça? Oh non, mais c'est quoi cette vie là? Constamment sous la pression? Mais non! Tu peux te débarrasser de ta Jaguar pour prendre un petit 4L là, je sais pas. Tu vas être plus tranquille. Voilà. D'accord? Ah, presque fini, mais c'est des conseils comme ça que Dieu me donne à donner. Voilà. Délivré. Quand tu rencontres les hommes, les pasteurs, bonjour mon frère. Ah non, je ne suis pas un frère. Bah, si, on est tous frères et sœurs. Amen. Tu es catholique? Non, je ne suis pas catholique. Tu es protestante? Non, je ne suis pas protestante. Je proteste contre qui? Tu es évangélique? Évangélique par rapport à la religion? Non. Oui, je suis catholique parce que je fais partie de l'église catholique, pas romaine. Parce que catholique veut dire universel. Oui. Oui, je proteste contre le péché, oui. Amen. Oui, évangélique par rapport à l'évangile, oui. Mais ton église, c'est où alors? Mon église, c'est moi et Dieu. De temps en temps, on se rencontre avec des frères et sœurs, on partage. Ah bon? Et le pasteur, c'est qui? Eh bien, c'est Jésus-Christ. Amen. Viens nous avoir un concert là-bas, c'est qui? Qui va chanter? Oh, c'est la femme de... C'est comment? C'est payant? Non, ça ne m'intéresse pas. C'est gratuit normalement. Voilà. T'es libre. Qui se sent libre depuis? Ah. Mais oui, mais il faut que tu aies un pasteur. Mais oui, mais j'en ai un. C'est Jésus. Oui, mais un homme. Oui, mais si c'est une femme, eh ben c'est mon mari. Oh. Amen. Mais il faut que tu aies une prophétesse. Oui, c'est ma femme. Alléluia. Amen. Eh, ma soeur, mais c'est le jour du Seigneur, ce dimanche. Oui, mais je travaille. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je travaille. Et au travail, je sers Dieu. J'adore. Je médite la parole quand j'ai le temps. Voilà. Dimanche, laisse le dimanche avec Calvin là-bas, là, avec Constantin. Voilà. Oui, mais tu es un champion, il faut te. Pour le dimanche, il te faut un costume, hein, mon frère. Je suis en claquette le dimanche, où est le problème? Amen. Voilà. Attendez, quand vous lisez sur les bâtiments d'église, église évangélique, la manne cachée, passez outre. Si vous avez le malheur de rentrer là-dedans, là, c'est fini pour vous. On va vous donner une liste à remplir, une fiche, hein. Nom, prénom, date de naissance, profession, salaire, nom du père, nom de la mère, combien tu touches à la CAF, le titre, tout ça, ta fonction. Il y en a même qui vont plus loin, comme on le sait, en photo carrément. Voilà. Baptisez-le, tant, par le pasteur, tant, et avec sa signature, pour confirmer que tu es vraiment une proie à... Alléluia! Ça va mon combat? Parce que je casse tout. Ils disent non, il est instable. Bah oui, cette instabilité selon vous amène la délivrance chez le peuple. Amen. Vous avez vu une vache? La vache là? La vache? On va dire la vache à lait, là. Vous savez la vache à lait, là. Elle a tellement été... traite tout ça à l'intérieur. Ti. Je vous dis, hein, vous avez vu l'état des pieds, là. Les pieds sont tellement fatigués qu'il n'y a plus rien. Quand vous soufflez, ça part dans tous les sens. Attendez, on parle de la délivrance, hein, mais ça va finir. Hein. Alléluia! Frère, je vais encore casser aujourd'hui. Lundi sur TV de vie, on va encore casser encore. J'ai pas eu l'église à protéger. C'est l'église de Jésus-Christ qui est au ciel. Amen. Les gens, on va tout casser, tout raser. Les papas et les mamans, les papas et les Jézabel à côté, tout ça là, il faut casser tout ça. Amen. Vous n'avez pas vu quand un homme commence une église, il y a toujours une Jézabel à côté. Toujours une maman à côté. Jézabel qui gère l'entreprise du papa.
Même chez les Arabes. Que ce soit chez les Noirs, les Arabes, les Blancs, c'est la même chose. La maman, c'est la princesse. Maman, pasteur. Elles aiment ça. Elles sont contentes. Parce qu'elles ont raté leur vie au monde. Elles veulent se rattraper dans le Seigneur. Ce sont des gourouettes, bien comme il faut. Alléluia! Ça, c'est le féminin de gourou. Tiens, ton voisin, il faut tout casser. Alléluia! Frère, quand on a. Quand il y a le bâton, la Moïse, ça casse tout. Amen. Amen. Je ne suis pas dans une fédération, donc je n'ai pas peur d'être repris par le président des églises évangéliques de France. Je n'ai pas eu un bâtiment d'église à protéger parce que s'ils ferment les locaux pour les bureaux, eh ben, on les a achetés. Moi, je casse tout. C'est pour cela qu'on ne vous recommande aucune église. Il faut tout raser. Amen. Les vrais chrétiens, ils sont cachés. Amen. Ils sont avec leurs enfants, deux ou trois, quatre, cinq, ici et là, ça prie ensemble. Amen. Le reste est là, bishop et bishopette, c'est tout. Alléluia! Amen. Vous prenez un païen, vous l'amenez au Seigneur. Si vous avez le malheur de l'amener dans ces bishops, dans ces églisettes-là, ils sont transformés. C'est la bagarre. Qui a plus d'onction? Qui a plus de pouvoir? Voilà. Qui a plus de feu? Qui prêche le mieux? Qui est plus onctionné? Et vous avez vu, surtout beaucoup de pasteurs africains, ils brandissent toujours leur titre. Apôtre des nations. Alléluia! Ça vient des États-Unis aussi. Là. Les Américains, ils sont terribles aussi. Alors la vision, vous leur posez la question, c'est quoi la vision? La vision, ce n'est pas de vous amener à Christ. Hein. Oh non, en fait, je vais vous amener à Dieu, vous laisser avec Dieu. Non, la vision, c'est que nous allons prendre un grand terrain. Nous allons construire un temple. Mais pasteur, tu n'as pas compris que c'est toi et moi qui sommes le temple. Hein. Depuis 2000 ans, nous sommes déjà le temple du Saint-Esprit. Quelle maison allez-vous encore bâtir au Seigneur? On va construire le temple et puis il y aura un endroit réservé qui me sera réservé. À l'occurrence sur l'estrade, tapissé, un fauteuil en cuir pour moi, un deuxième pour mon épouse parce qu'elle a souffert aussi avec moi dans le ministère. Donc c'est son élévation, il faut comprendre quand même. Ils sont à hauteur pour mieux regarder les têtes à dépouiller. Alors dès qu'il y a un général qui arrive, dès qu'il y a un patron chef d'entreprise, j'ai une prophétie sur toi frère. Alléluia! Même quand je me dis je ne veux plus parler, ça me saisit, ça me prend, ça sort. C'est pour ça que je n'ai pas d'amis pasteurs. Et honnêtement, ça ne me dérange pas. Parce qu'à chaque fois, ça explose. Alors, c'est comme si Dieu veut que je sois seul. Donc ça explose à chaque fois. C'est quand ce qu'il y a là-dedans, là, quand ça se retourne, là, c'est fini. Vous savez ce qui m'anime? Posez-moi la question, qu'est-ce qui t'anime? Non, je n'ai pas entendu. Encore, qu'est-ce qui te motive? Deux choses, vous voulez savoir? Oui. La première, c'est que mon Dieu soit glorifié. Amen. La deuxième, vous savez ce que c'est? Non. Que vous soyez libéré. Amen. Alléluia! Là, moi, je suis un homme de Dieu. Je suis un grand homme, tout ça là. On s'en fiche. Jésus, c'est le plus grand. Amen. Vous avez vu dans ce bâtiment d'église quand vous rentrez, il y a des versets bibliques partout. Hein. Sainteté à la maison de Dieu. Il y a toujours la femme de l'homme qui chante. Pour celle qui chante. Et l'homme est assis et il admire la Jézabel. Ah, c'est beau ça. C'est magnifique ça. Et puis les oies, c'est qui? Ben c'est vous. Donnez, 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 donnez. Hein? Donnez, 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 donnez. Et quand un message sur la gratuité arrive, tout le monde n'est pas d'accord. Non, c'est l'antéchrist qui casse les entreprises. Ben oui, ça va se casser bien comme il faut. Là. Et l'église de Jésus-Christ, on ne peut pas la détruire parce que nous sommes en Christ, frères et sœurs. Alléluia!
qui il faut que je parle encore? Dieu m'a dit, il est descendu me voir, il m'a dit, va et libère mon peuple. Merci pour la liberté. Alléluia, gloire à Dieu. Oh non, je ne suis pas là, mais oui, mais arrêtez, je ne suis pas là, mais arrêtez, arrêtez. Le Saint-Esprit, c'est lui qui dit, voilà, ça c'est mon serviteur, amen. Ça c'est ma servante, ça c'est mon. Voilà. Je vous dis, regardez les nations que je touche ici. D'ici la fin de l'année, l'Europe, le Maghreb, les enfants de Dieu, l'Afrique noire, les Amériques, il y a un peuple qui est là, qui suit, hein. Un peuple qui maintenant s'enferme dans leur maison, dans les rues, qui prie 2, 3, 4, 5, 6, 7, ici et là. Je vous dis. On dit non, ce sont des choristes, ce ne sont pas des choristes, arrêtez. Quand c'était John Wesley, on a dit ce sont les méthodistes, ce n'est pas d'aujourd'hui. Voilà. Dis à ton voisin, il faut qu'il parle encore sur mes yeux. Aux prophétesses, attention, elles sont dangereuses. Vous savez ce qu'elles prophétisent? Dieu m'a montré, je dois t'encadrer comme ma fille spirituelle. Non, dis à ton voisin, mensonge. Qui se sent libre ici? Qui est qui? Qui expérimente la révolution de Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia! Vous savez ce qui me pousse encore à parler quand je vous vois debout comme ça? Je vous dis. On nous agresse, on nous attaque, vous êtes dans la prière. Tous ensemble, comme une armée. Tous ensemble avec Jésus-Christ de Nazareth devant. Frère, les églises de Dieu vont être libérées. Les âmes vont être libérées. Vos enfants ne seront plus les proies de ce charlatan. Fini. Dieu m'a dit, hein, donne l'autonomie. Comme ça, tu ne vas recommander aucune église. Personne ne va se servir de ton onction pour amener, attirer les âmes dans sa boîte, dans son entreprise, pour les voler, dépouiller. Fini. Fini ça. Là, c'est beau. Les gens sont libérés. Ils sont chez eux avec le Seigneur. Ça, c'est beau. Il faut exactement ce que leur demande le Seigneur. Si Dieu leur dit faites une réunion, les réveils ici et là, ils le font naturellement. Amen. Dieu leur dit allez sur les marchés parler, ils y vont. Allez dans les trains, allez, c'est ça le royaume de Dieu. Amen. Alors ils vont dire non, c'est l'idolâtrie. Non, on va arrêter avec ça là, arrêter. C'est un mouvement de l'esprit. Amen. Une race ici là, d'hommes et femmes. Amen. C'est fini. Et quand la Bible va sortir après le 19, frère, on va aller partout. Amen. En Allemagne. Je vous dis, notez bien. On va faire des annonces comme ça sur TV de vie. Il y a une mission à l'île Maurice. Ceux qui veulent venir, qu'ils viennent. Les gens vont s'inscrire. Ah, je dois dire, ça bouillonne. Tchit, c'est quelque chose là. Mon frère Gérard. Il va y avoir 100 personnes qui vont s'inscrire. On va aller à l'aéroport ensemble. Frère. Avec nos bannières, Jésus-Christ dessus. Alléluia! Il revient! On va débarquer. Il n'y aura pas seulement un seul prédicateur. Tous sont des prédicateurs, des prédicatrices. On arrive là-bas à l'île Maurice. On va aller sur les marchés. On va prendre nos guitares, frère. Nos synthés avec des piles. Tant, 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 tant. Il n'y a pas de concert payant. Pas d'album payant là, tout ça avec une photo. Non, non, frère, c'est du live, tout est gratuit. Yes. On finit l'évangélisation, les gens vont dire, vous nous envoyez où? Comme l'eunuque éthiopien. Dieu va nous enlever, il va s'occuper lui-même de l'eunuque éthiopien. Voilà. On finit là-bas, Dieu va dire, allez au Congo. Ceux qui n'ont jamais vu le Congo. Frère, on va prendre l'avion. On va arriver à Kinshasa. À l'aéroport, tout le monde va entendre. Hein? On descend de l'avion avec des chants. Alléluia, 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 amen. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia. On va aller, frère, partout, sur les carrefours. On va aller crier que Jésus-Christ revient. On finit là-bas, frères et sœurs. On repart.
On fait les deux Congo là. On repart. Frères et sœurs, je vous dis, notez bien, ça va s'accomplir. Vous allez voir ça. Vous allez voir. On va prendre nos caméras là. On va dire, bon, cette fois-ci, on va faire les États-Unis. Les gens qui veulent partir, ils vont s'inscrire. On va y aller, on va louer des maisons là-bas pour être dans le, tout dans le, pendant tout le, toute la mission retraite. Prière matin, soir, midi, tout ça après. On va sortir. Alléluia! Voilà la nouvelle vision qui arrive là. Même les personnes âgées à qui on a dit pour vous, c'est le coffre, c'est fini. Ces femmes de 75 ans, 80 ans, comme Caleb, vont se retrouver avec une onction terrible. Hein? Vous inquiétez pas. Même avec ta canne, ma soeur. L'onction avec ta canne. Mission. Alléluia! Qui le croit? Je vous partage la future mission là. La vision qui arrive. Vous allez goûter à la mission véritable. Et beaucoup diront, mais c'est des choses qu'on a ratées toute notre vie. On va aller sur les marchés, les hôpitaux. On va aller prier pour les malades. On va aller voir les orphelins, les veuves. Donner des sacs de riz, sacs de manioc, déposer. On va louer un bus. On va aller dans un village. Aller voir les sorciers. Frères et sœurs. Oh my God. Vous allez voir comment Dieu va se servir de vous. Amen. Il va se passer des choses. On va aller en Belgique. On va prendre un bus de 72 places. On monte là-dedans. On arrive en Belgique, frère. Évangélisation. Je vous dis, mission. Mission sur le terrain. On va descendre dans les rues. Dans les rues. Les places publiques. On va aller descendre, frères et sœurs, les grands carrefours. La mission. Pourquoi annoncer le retour du Mashiach? Je vois déjà une armée puissante qui marche devant. Je vois ces colombes. Je vois ces pigeons. Je vois ces nations. Je vois des Français, des Belges, des Allemands, des Anglais, des Congolais, des Togolais, des Béninois, des nations ivoiriennes, tout ça, frères et sœurs. Camerounais, Centrafricains, frères et sœurs, encore, alléluia, Américains, Chinois, Arabes, Indiens, frères et sœurs, alléluia, je vois, frères et sœurs, alléluia, les Pakistanais, tout le monde debout, frères et sœurs, les Algériens, Kabyles, tout ça, je vois, frères et sœurs, les Marocains, les Tunisiens, frères et sœurs, alléluia, les Métis, je vois ces nations, frères et sœurs, les Angolais, les Sud-Africains, je vois les Brésiliens, je vois les Cap-Verdiens, je vois ces nations, frères et sœurs, je les vois debout, frères et sœurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vois une nuée qui marche sur eux. Je vois des anges qui leur apparaissent, qui leur donnent des rouleaux, des messages. Et je vois des jeunes filles au lycée, à la fac, témoigner seulement de Yeshua. Je vois leurs copines être touchées comme ça. Là. Les gens sont prêts. La moisson est là. La moisson est là, me dit le Seigneur. La moisson est là. On va prendre 50, 100 personnes. On va aller en Inde. En Inde. Mission. On va aller voir les intouchables. On va leur dire, ce n'est pas Shiva. Ce ne sont pas vos 3 millions de dieux. Ce ne sont pas vos rats ou vos souris qui sont de Dieu. Mangez vos vaches et ne croyez pas que c'est de Dieu. Nous vous annonçons l'homme le plus beau, le Dieu le plus glorieux. Il y a une démarche terrible. Alléluia! Oh Jésus de Nazareth! Alléluia! Il est beau. Quand Jésus marche, il y a un parfum qui se dégage. Quand il marche, tous les anges sont à genoux, frères et sœurs. Le pan de sa robe couvre, remplit les cieux. Jesus Christ. Michael est tellement émerveillé. Si tu voyais les yeux de Jésus, si tu voyais ses dents, sa peau, sa couleur, si tu voyais son sourire, mes amis, sa voix quand il parle,
Non, mais elle est comme des grondements des eaux. C'est terrible, frères et sœurs. Jesus Christ, la beauté personnifiée. Il t'aime tellement, il t'aime tellement. Il t'a épousé, il t'a fiancé, il t'a... Oh my God. Son sang a coulé pour toi, femme. Son sang a coulé pour toi. C'est la beauté personnifiée. Jésus, le Dieu le plus glorieux, le Dieu le plus magnifique, il est présent encore ce soir. Jamais homme n'a parlé comme lui. Jamais homme n'a prêché comme Jésus. Jamais homme ne s'est habillé comme Jésus de Nazareth. Avec une tunique de plusieurs hommes. Alléluia. Oh, quelle tunique, quelle ceinture. Tu as vu ses pieds, des reins? Tu as vu ses sandales? Tu as vu ses pieds? Tu as vu ses pieds? Il est là, Jésus de Nazareth. Tu as vu ses pieds? Tu as vu? Toi qui veux le voir? Toi qui veux qu'il te parle? Tu veux qu'il te parle? Tu veux qu'il te visite? Tu penses qu'il ne te voit pas? Jésus de Nazareth. T'as vu son parfum? Son nom, rien que son nom, est un parfum qui se répand. Pour purifier ta vie de péché, pour nettoyer ton âme blessée par les hommes, déçue par les hommes. Yeshua vient et te dit, rassure-toi ma fille, rassure-toi je suis ton époux, je suis fidèle jusqu'à ta mort, jusqu'à ta vieillesse, je serai là, pour ta famille je serai là, pour ta situation je serai là, je te connais par ton nom, je t'ai appelé, je t'ai établi, je t'ai choisi, je t'ai guéri. Il est là, 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 il est ici. Tu voulais qu'il te parle, voici Jésus, voici Jésus ma soeur, voici Jésus. Jesus, Jesus. Il est là, le Fils. Le Fils, le Fils, le Fils, le Fils, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Oui, tu es sa chérie. Tu es sa bien-aimée. Tu es sa fiancée. Tu es son épouse. Il t'a attiré ici. Voilà la parole qu'il avait pour toi. Voici le message qu'il a pour toi. Ne pleure plus. Ne pleure plus pour ton situation, ta situation. Pour ton père, pour ta mère, pour ton fils, ta fille. Ne pleure plus. J'ai le contrôle de la situation, te dit le Seigneur. Jésus, Yeshua, Yahweh est salut. Yahweh est délivrance. Et c'est gratuitement qu'il te délivre. Il te dit, viens, viens prendre de l'eau, viens prendre de l'eau, viens prendre de l'eau. Viens boire de l'eau, viens boire de l'eau. Viens, viens mon enfant, viens, viens. Viens. Il t'a sorti de cette église. Il t'a sorti de cette église. Il t'a sorti de là. Il te sort encore de Babylone. Parce qu'il a un plan pour toi. Il ne te laissera pas seul dans le désert. Il marchera à tes côtés. Il marchera à tes côtés. Il marchera à tes côtés jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Cet esprit qui t'embête, il te quitte maintenant. Démon, quitte ma soeur. Démon, quitte cette femme. Quitte-la. Tu sais que ton règne est fini et tu le sais maintenant. Je ne veux plus t'entendre, je ne veux plus te voir. Lâche sa vie et ne va plus tourmenter. Tu ne vas plus tourmenter son âme. Quitte cette âme que tu as brisée. Quitte-la au nom de Yeshua. Seigneur, merci pour la guérison, merci pour la restauration, merci pour la libération de ces personnes. Au nom de Yeshua. Oh, ce lien de la mort est brisé dans ta vie. C'est fini. Lâche. Lâche. Fini. Lâche. Lâche-la. Lâche-la comme ça. Lâche-la. Voilà. Lâche-la. Lâche-la. Oui, lâche-la. Lâche-la. L'odeur de la mort, Dieu l'enlève, ma soeur. Dieu enlève l'odeur de la mort. Fini. C'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour. Sors-la. Au nom de Yeshua. Il y a des sorts qui sortent, il y a des choses qui sortent là. La folie quitte quelqu'un ici. La folie. Tu sens comme si la folie veut frapper ta vie. Tu sens. Il y a des choses que tu commences à faire, des actes que tu ne comprends plus. Tu ne te maîtrises plus, tout ça. Cet esprit qui veut contrôler ton esprit, ton âme. Le Seigneur t'en libère et te rend libre au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Cette maladie, Dieu l'enlève. Cette maladie, Dieu l'enlève de ta vie. Elle ne va pas te conduire à la mort. Le Seigneur te dit, j'ai permis cette maladie pour me glorifier, car tu as un témoignage à faire. Tu as écrit ce livre de témoignage sur ta vie au nom de Yeshua.
Alléluia, 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 alléluia. L'onction de l'esprit vient guérir tes membres, guérir ta vie. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, ô Dieu de gloire. Tu n'as pas attendu, merci Louis. La peur te quitte. La peur te quitte. Esprit de peur, quitte ce corps. Quitte, quitte là, quitte, quitte, voilà. Quitte, quitte là comme ça, voilà, quitte là, quitte là. Lâche là, lâche ma soeur, lâche là. Sors au nom de Jésus de Nazareth. Il y a deux esprits ici au monde. Si, si. On acclame Jésus de Nazareth. Là aussi, quitte là. Amène-la-moi, Guylaine. Amène-la-moi aussi là-bas. Corps là, sortez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de peur, allez, sors. Sors d'elle. Là aussi. Quittez ce corps. Sors au nom de Jésus-Christ. D'un esprit humain. C'est un sorcier qui contrôle une personne de loin qui contrôle sa vie. Tu sens que ta vie est comme bloquée. Tu as ouvert une porte par rapport à la colère. Tu as hérité de cette colère d'un de tes parents. Et cet esprit, c'est un sorcier de ta famille qui est là, qui est très en colère contre moi. Je veux que tu lâches cette personne. Oui, lâche-la. Père, merci. Il y a un esprit de cobra qui est là, qui ceinture une personne. Lâche-la. Tu as déjà fait des cauchemars où tu as vu ce serpent t'attaquer. Et tu as très peur des serpents. Tu en as très, c'est comme une phobie. En fait, c'est parce que tu as un serpent là que tu as vomi. Quitte ce corps, esprit de boa. C'est au nom de Yeshua. C'est un nom que je te donne. Sors d'elle. Voilà, donne-lui un sac là-bas. Voilà, là-bas, là, la sœur, là-bas, il faut l'amener, Laurent. Il y a une personne qui est mariée avec un esprit de Dorlis, un esprit de mari et femme de nuit. Cet esprit amène des mauvaises odeurs dans ta vie. Provoque des douleurs parfois dans ton corps. C'est un esprit qui te souille de temps à autre. Tu n'en peux plus. Amène-la moi. Quitte ce corps, au nom de Jésus-Christ. Quitte. Je suis sa grande sœur. Quel est ton nom? Maria. Quelle est ta mission ici? Je veux la tuer. Qui t'a envoyé? Je suis sa grande sœur. On acclame le Seigneur. Sortez le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, quitte-la. Le mari de nuit là,
le mari de nuit. Cet esprit t'a vêtu, t'a revêtu d'un manteau noir. En fait, tu es habillé en noir. Tout est noir dans ta vie. Oui, ce mari de nuit est là, est très en colère. Il est là. Ah. Quitte ce corps maintenant. Quitte ce corps. Tu es démasqué. Sors de ce corps. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte ma soeur maintenant. Sors d'elle. Lâche-la. Voilà. Lâche-la. La puissance de Dieu, ma soeur, vient sur toi. Et cet esprit te lâche. Au nom de Yeshua. Dieu met fin à ta souffrance aujourd'hui. Allez, quitte. Quitte ce corps. Quitte en Jésus-Christ. Sors. Sors d'elle. Voilà. On peut l'amener, la soeur, là-bas. Vous pensez que Dieu peut la délivrer, là? Ah oui, mes amis. Dieu est plus puissant. Ça va? À genoux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À genoux, maintenant. Cet esprit pollue ta vie, détruit ta vie à petit feu. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Tu vas recouvrer la vie, la santé. Au nom de Yeshua, Dieu a vu tes pleurs. C'est la sorcellerie familiale. Tu as été sacrifié sur l'autel de la sorcellerie. Et je vois la main du Père qui vient sur toi et qui te sort de là. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, sors d'elle. Au nom de Yeshua, fini, fini. Oh Dieu d'Israël, elle a été aussi consacrée à Marie. Tu vas la lâcher définitivement. Tu vas la lâcher. Tu vas la lâcher. Lâche-la. Lâche-la. Voilà. Lâche-la. 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 Tu as été vaincu à la croix au nom de Yeshua. Et une femme qui sent de temps en temps quelque chose marcher dans son ventre. C'est bon. Tu as des douleurs de temps en temps. Ouais. Il y a quelque chose qui va sortir là. Viens. Quelque chose qui va te lâcher là, nom de Jésus-Christ. Prions pour elle, mes amis. Quitte ma soeur, quitte ce corps, quitte ce corps, quitte ce ventre, quitte là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de là. Voilà. Sors de là. Sors de là au nom de Yeshua. Sors de là au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Tu vas quitter ce ventre là. Tu vas partir de son ventre. Au nom de Yeshua. Sors de là au nom de Yeshua. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu d'Israël. Oh Dieu d'Abraham. Oh Dieu des armées. Oh Père. Et une personne qui a une tumeur cancéreuse. Si tu n'as pas honte, viens, elle va partir de cette tumeur. Au nom de Yeshua, on acclame le Seigneur de gloire. C'est quelque chose qui marche partout. Dieu qui a donné cette parole de connaissance. Vous pensez que cet homme peut être guéri? Qui le croit? La mort va le lâcher maintenant. Sors de ce corps. Sors de ce corps. C'est la sorcellerie qui a été faite contre lui. C'est un démon, il va partir là. Et quand le médecin là, il va pas revenir. Frère, Dieu quand il parle, il est derrière. Moi je ne connais pas cet homme. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Oui, démon, sors de ce corps. C'est au niveau de ce ventre, vous voyez, non? Il s'en va. Sors de là. Pars au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Allez, sors. C'est bon. Alléluia.
cancer était assis là. Et Dieu m'a dit, touche son ventre. Et il avait le ventre gonflé comme ça. Et il a des bacs de plein de. Vous avez vu ça là? Regardez-moi ça là, frère. Vous avez vu? C'est là qu'il fait, comme le frère que Dieu a guéri là, c'est là qu'il fait ses besoins. Là! C'est la première fois que tu viens ici? Jésus est bon. Asseyez-vous, asseyez-vous. Oh, Jésus est bon. Jésus est grand. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Jésus est fils de Dieu. Je suis venu de la Belgique. Il est venu de la Belgique. Je suis venu de... Depuis hier, j'ai vu des témoignages. J'ai vu le frère Chora. Ça fait 12 jours que j'ai subi cette opération. Mais j'avais cette fois que j'ai dit que le Seigneur va me guérir. J'étais à l'hôtel. J'ai essayé vraiment de me reposer parce que je ne pouvais plus bouger. J'ai regardé. Ma montre, c'était 1 heure. Je me suis réveillé avec des douleurs intenses. Je ne voulais pas réveiller ma femme. J'ai dit, je vais mourir, ça y est. J'ai tenu mon ventre comme ça, j'ai dit, bon, je vais quand même réveiller ma femme. Il va lui dire, quelque chose ne va pas. Je l'ai réveillée, elle est là. Des douleurs de mort. Elle avait dit qu'on va partir en Belgique. Ça y est, non, on va partir. Mon fils est là aussi. On a préparé la voiture. J'ai dit, moi, je ne vais pas partir. Le diable ne va plus me faire peur. Ma femme a dit, mais tu vas mourir. J'ai dit, celui qui a commencé en moi, il va le terminer. J'ai dit, c'est le diable, il me fait peur. Je n'ai plus peur, Seigneur. Je compte sur toi, Seigneur. Je vais partir à l'église, quelles que soient les douleurs, et je vais être guéri aujourd'hui. Et ma femme est là comme elle ne s'exprime pas en français, mais elle a beau insister pour que je parte. Mais mon fils est allé me réserver un billet par avion. Je lui ai dit, je ne vais pas partir. Il est allé me réserver un billet par TGV. Je lui ai dit, je termine le culte, puis je vais partir. Et Dieu est là aujourd'hui. Mais une chose est certaine, mes frères. Le médecin m'a condamné. Je l'ai jamais dit à papa. Je l'ai jamais dit, je lui ai caché quelque chose. Mais dans mes prières, j'ai dit, je ne vais plus mourir parce que Dieu est vie. Dieu est vie, il vit en moi, je ne vais plus mourir. Mais j'ai fait un serment. Tout ce que vous avez dit, frère Jora, parce que vous avez dit, je vais partir en Inde, je vais partir ça, ça et là, c'est pour moi. Seigneur, je vais prêcher dans
servant, Dieu. Ne m'oublie pas. Parce que je vais crier comme Jean-Baptiste. Dieu m'a guéri. Et Dieu veut te sauver encore toi aussi. C'est pour moi que tu as dit ça. Amen. Lorsque je l'avais entendu, j'ai dit, tu me parles, Seigneur. Et je t'ai fait ce serment. Je vais l'accomplir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Frères et sœurs, il vient de la Belgique. Non seulement que Dieu a fait ce miracle, le Seigneur me met à cœur, on va vous rembourser votre billet. Mon frère David, on leur donne 200 euros pour le transport. Amen. Ils partent avec cette bénédiction. Amen. Au nom de Yeshua. Mais on n'a pas réservé par avion, on est venu par voiture. C'est bon, on participe. Amen. Pour ta mission dans le monde. Amen. Alléluia. Donc vous pouvez rentrer maintenant. David, faisons notre don à notre frère missionnaire de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Père, non, Jésus est le même. Jésus est le même. Il m'a dit qu'il allait nous surprendre. C'était le début.
choses. Là, c'est le don que Jésus a donné. C'est pas nous, c'est Jésus. De 200 euros que le royaume a donné à notre frère. Donc, tu es d'origine musulmane. Hein? Bon, je suis algérien. Pour les frères et sœurs de l'Algérie qui sont là, qui sont connectés. Mais je n'ai jamais été musulman. Je n'ai jamais été senti musulman. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Oh, les musulmans, venez voir la lumière de Dieu. Gloire à Dieu. Un petit mot en arabe. J'aime bien cette langue. En Kabyle. En Kabyle, parce qu'il y a beaucoup de frères, de sœurs de Kabylie qui suivent. Alors, je suis allé me faire le Messie. Venez voir la lumière de Dieu, que vos cœurs changent. Sois béni. Alléluia. 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 On va s'asseoir. Il se passe des choses. Tiens, tu vas aller sur l'hôpital de Jésus. On a quelqu'un qui a la prostate qui veut qu'on prie pour lui. Allô? Je peux mettre le haut-parleur, Laurent, s'il te plaît. Oui. L'île Maurice. Hein? Pendant, pour 15 personnes. Tu as une maison à l'île Maurice pour 15 personnes? Oui, je vous héberge gratuitement. Alléluia. Alléluia. On va venir. On va se voir à la fin. Gloire à Dieu. Il se passe des choses. Allô? Chut. Allô? Ok, quel est votre problème? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, mon frère. Bonjour. Oui, je vous demande en tant que directeur, je suis la cousine de Janine. D'accord. Et j'ai un petit problème de santé, j'aimerais que vous priez pour moi parce que Jésus-Christ sait déjà qu'est-ce que j'ai. Alléluia, gloire à Dieu. Eh bien, prions pour notre bien-aimé. Seigneur, au nom de Yeshua. Que notre bien-aimé soit guéri, délivré, sauvé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Opère un signe en sa faveur, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, Dieu d'Israël. Merveilleux papa. Merci pour ton miracle, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta force. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu d'Israël. Amen. Gloire à Dieu. Il se passe de choses, oui, mon frère. Si, j'ai ma partie, j'ai des artères bouchées, j'ai mon fils qui est alcoolique, qui est drogué, qui est là. Ok, il a la prostate. Vous pensez que Dieu peut faire un signe, quelque chose? Vous avez mal partout. Il ne trouve rien. Oh, c'est la première fois que vous venez ici? Oui. Vous les avez connus comment? C'est une dame que j'ai rencontrée hier à l'Anjou. Ok, donc c'est elle. Oui, Allons jumeaux. L'évangéliste approche qui est décédé. Ok, le frère archange qui est décédé. Ok, oui, bien sûr, c'est un grand homme de Dieu. 25 ans, d'accord. C'est chrétien, il ne me parle plus, ça ferait. Ok. Oui, en Jésus. Alléluia. Vous pensez que vous allez pouvoir guérir cet homme? Oh Dieu du Seigneur. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de bonté. Le Seigneur lui donne la prostate d'un enfant. Oh, je vous dis. Jesus Christ. Repartez voir le médecin. Revenez me voir ici. Amen. Les médecins ils veulent opérer mes genoux, mais moi je veux pas, j'ai peur. Ah ben, vous ne voulez plus être opéré. Vous pensez que le Seigneur peut vous guérir, papa Jeune? Amen. Les deux. Oh Dieu de gloire. C'est bon. Amen. Vous avez mal partout là? Bloqué. Oh Dieu d'Israël. Oh Dieu d'Israël. Allez, sors de ce corps. Quitte ce corps. Quitte ce corps au nom de Yeshua. Jesus Christ. Louis. Oh oui, c'est là que Dieu me fait toucher. Là. Ouais, c'est Dieu, hein? Il te demande à toucher des endroits là. C'est...
Oh, alléluia, 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 alléluia. Jesus Christ, alléluia, Jesus, 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 alléluia, alléluia. Fais ça. Jesus Christ. Oh, mon Dieu. Oh, Dieu d'Israël. Tu as été piqué, hein? Oh, alléluia. Oh, alléluia. Jesus. Voilà. C'est bon. Ceux qui veulent le baptême, levez les mains. Les personnes qui veulent le baptême aujourd'hui, courez ici, courez ici. Les futurs baptisés, venez recevoir la vie. Jésus-Christ, la vie éternelle. Et ceux qui veulent donner leur cœur à Jésus-Christ, levez les mains. Dieu est bon, Dieu est bon. Venez, vous qui voulez donner votre vie à Jésus-Christ. Ça va? Ah ben, je suis un peu malade là. J'ai mal le partout. Les médecins, ils ne savent pas ce que j'ai. Ok. Donnez-moi une chaise, venez ici. Voilà, c'est parfait. Asseyez-vous là ici. Vous voulez tous le baptême? Alléluia, gloire à Dieu. Ouh, on s'est croisés la dernière fois. Alléluia, à Londres, waouh. Tu es venu quand? Je suis venu, je crois, vendredi. Vendredi, pour combien de temps? Je sais pas, je rentrerai avec mes parents. Mais... D'accord. Tu as un petit peu mal. Ouais. Oh Seigneur, merci pour mon frère, qu'il soit guéri au nom de Yeshua. Regardez les baptêmes, frère et soeur, comment Dieu est bon. Hein? Tu veux quoi? Ah? Tu as dit qu'il y a quelqu'un ici qui a un problème de la folie. Problème de folie, ouais. Ouais. C'est toi? Ouais. C'est ça le médicament et la. Tu prends des médicaments pour la folie? Ouais. Viens. Oh. Regardez-moi les baptêmes, la foi. Oh, mes amis, là, Dieu est magnifique. Dieu est magnifique. Ma soeur Lolo, tu vas baptiser les femmes. Hein? Suivez la soeur, tu vas lever la main. Vous allez la suivre, on va vous baptiser à côté. Les frères, oh que Dieu soit béni. Oh, il y avait mon frère là qui va recevoir le baptême. Ça fait plaisir. Alléluia, gloire à Dieu. Les hommes, vous allez suivre. Et comment? Mon frère. Suivez Lolo, elle va vous montrer. Il y a un frère là-bas qui va. Ma soeur Michel aussi, de la Guadeloupe là-bas. Qu'est-ce que tu peux aider ma soeur Lolo pour le baptême? Ouais, suivez là-bas, au 24. On va vous baptiser. Gloire à Dieu. Alléluia. Et à toi aussi, jeune fille, ma soeur là, là-bas, là. Tu veux le baptême aussi, là? Magnifique, que Dieu soit béni. Alléluia, que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Alléluia, que Dieu soit béni. C'est bon. Merci, Seigneur. Alléluia. Tout ça, les baptêmes, là, c'est magnifique. Vous aussi, le baptême, vous le baptême? Ouh, on acclame le Seigneur pour le baptême, frères et sœurs. C'est beau! L'os qui est cassé là. Wow. Seigneur Jésus Christ. La hanche aussi là. L'hernie discale. Wow. Beaucoup de choses, je vois ça. Vous pensez que toutes ces choses là peuvent être. Vous avez vu le nombre de baptêmes, là, frères et sœurs? Combien Dieu est grand. Combien. Dieu est grand. La folie a commencé quand? Dieu est grand. Ça fait 11 ans, bientôt 12 ans. Bientôt 12 ans de folie. Elle n'en peut plus de médicaments. Vous pensez que le Seigneur peut la délivrer de la folie? Prends, me dépose ta bouteille là. Magnifique, magnifique. Magnifique. Que la puissance de la sorcellerie te quitte maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte ce corps. Voilà. Tu vas lâcher ma soeur. Tu vas lâcher sa vie. Tu vas lâcher son esprit maintenant. Tu vas lâcher son âme que tu troubles.
tu vas t'en aller, esprit de folie, esprit de sorcellerie. Voilà, c'est au nom de Jésus de Nazareth. Tu t'en vas maintenant, oui. Tu sors de là. Voilà, lâche-la, voilà, lâche-la. Elle te vomit. Sors de là. Jesus Christ. Oh, mon frère Julien, on va continuer à prier pour elle. Il y a quelque chose qui va sortir. Jesus. Oh, alléluia, gloire à Dieu. C'est bon. Le fait de toucher seulement, Dieu fait. Ça va sortir là. Il y a une personne qui est ici qui est constipée depuis des années. Tu suis en traitement par rapport à la constipation. Le Seigneur me dit qu'il te guérit. Là, c'est fini. C'est quoi le problème? En fait, j'ai des attaques des maris de nuit. Ok. J'étais dans l'eau. Ok. Et voilà, puis je ne mange pas bien, je ne dors Jesus. Pas bien. Sors de ce corps. Quitte ma soeur. Donc, Jésus. Guylaine, tu peux continuer à prier pour elle. Même si la voix est cassée, mais l'esprit est là. Alléluia. Jesus. C'est bon. Yeshua, merci pour cette famille que tu guéris, tu délivres. Sois fortifié. Tu sais que Dieu entend tes larmes. Il te connaît. Sois fortifié. Alléluia. Il va te surprendre. C'est bon. Dieu peut faire quelque chose pour elle. Les médecins l'ont condamné, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Tu crois que Dieu peut faire? Mon frère Alain Gérard, vous pouvez prier pour elle. Tu vas voir ce qu'il va faire. Tu vas revenir témoigner toi-même. Servir le Seigneur, il veut suivre le Seigneur. Jesus Christ. Dieu me dit qu'il veut, il va vraiment être ton père. C'est ce qu'il venait de te dire. Je ne connais pas, je ne sais pas ta relation avec ton père, mais Dieu me dit qu'il va être ton papa, qu'il va s'occuper de toi, qu'il va prendre soin de toi, qu'il va gérer ta vie, il va prendre soin de tes projets.
Il va te surprendre. Il va faire de toi un père de beaucoup d'enfants. C'est ce qu'il me montre. Dieu va te donner une petite fille, encore une fille, une fille très très jolie, avec qui tu vas être dans la joie. Tu vas te balader partout avec. Et c'est comme s'il veut guérir une blessure dans ton cœur, là, tu sais. Dieu voit tes larmes, même par rapport à ta famille, les combats, tout ça, là, des questions que tu te poses, des choses que tu aimerais voir changer. Et le Seigneur te dit, tu as tourné ici et là, cette fois-ci, tu as comme poussé à tes retranchements, coincé, et maintenant, il va te révéler sa grandeur. Au nom de Yeshua. Oh, Dieu d'Israël, Père, merci pour mon frère, qu'il soit visité pour ta gloire, mon Dieu, mon roi. Au nom de Yeshua, merveilleux Seigneur, mon Dieu, Père. Oh, Dieu de gloire. Tu seras de plus en plus le grand frère de beaucoup de jeunes, beaucoup de gens. C'est ce qui me montre comme un leader. Ça, c'est un peu ce que tu es. Et beaucoup de jeunes viennent te confier leurs problèmes, tout ça. Là, tu es là comme un grand frère de quartier pour donner des conseils, pour mettre de l'ordre, tout ça. Là. Donc, voilà, comme un militaire. C'est comme ça le Seigneur te voit au nom de Yeshua. Sois fortifié au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Hein, mon grand. Alléluia. À le faire maintenant, hein? C'est important. Quel ami fidèle, tendre. Alors on va prier encore pour elle. Jésus, va chez Alain. Oh, grâce. Dieu va essuyer tes larmes. Tu pleures beaucoup. Dieu va essuyer les larmes au nom de Yeshua. Ok. Alléluia. Alléluia, Seigneur, que cette jeune femme soit guérie. Au nom de Yeshua. Que l'ennemi retire sa main de sa vie. Maintenant. Au nom de Yeshua. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Alléluia. Magnifique, c'est bon. Oh mon Dieu, mon roi. Ça va? D'accord.
tu viennes? Tu es venue toute seule? Ok, bien. Bien. Vous pensez que tu peux faire quelque chose pour elle là? Amen. Vous êtes fatigué là? Non. Ma soeur Fatia, tu peux venir prier avec nous? Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Que ma soeur soit libérée. Libère ce corps là. Libère ce corps. Sors de là. Voilà. Sors de là. Sorcellerie. Sorcellerie africaine que je vois là. Au nom de Yeshua. Tu as été vaincu à la croix. Tu vas lâcher sa vie maintenant. Tu ne reviens plus jamais. Tu ne reviens plus jamais. Voilà. Oh Dieu de gloire. Magnifique est le Seigneur. Alléluia. Tu veux servir Jésus-Christ. Oh, alléluia. C'est beau ça. Oh, c'est beau. Va, va prier pour moi. Elle a une grâce. Jésus revient, Jésus revient. Il revient. Dieu va servir de toi dans la prophétie. Au nom de Yeshua. Jesus, alléluia. Oh mon Dieu, sois fortifié. Toute ta famille servira le Seigneur. Dieu va commencer à toucher tous les membres de ta famille. Alléluia. 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 Parmi les personnes qui sont venues nouvellement, qui s'appelle Elisabeth ou qui connaît Elisabeth? Qui souffre, qui a besoin d'une visitation du Seigneur. Dieu me parle de cela. C'est toi? C'est ta mère, c'est qui? Elle est là, ta nièce? Tu pries pour elle? Elle a quel âge? Viens. C'est la première fois que tu viens? Viens. Quel âge a-t-elle, cette nièce-là? 13 ans. 13 ans. Ok, viens, 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 viens. Parce qu'il y a trois démons qui veulent se la partager. Elle est tiraillée comme ça. Parce qu'il y a un appel sur sa vie. Dieu veut d'abord te délivrer. Ensuite, il va s'en occuper au nom de Yeshua. Oh Dieu d'Israël. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Jésus. Oh magnifique le Seigneur. Jésus de Nazareth. Jésus. Joseph. Qui est Joseph? Jésus. Joseph. Joseph. Jésus. Jesus Christ. Ah, c'est toi Joseph? Je suis guéri. Seigneur. Je suis guéri. C'est bon, c'est réglé. Jésus revient. Joseph, il y a une tunique de plusieurs couleurs pour toi. Viens. Jésus revient. Jésus revient. Alléluia. C'est comme si tout ce que tu faisais, ça s'écroulait. Tout ce que tu faisais, ça se recroulait. Je te connais pas, c'est la première fois que je te vois. Hein. On ne s'est jamais vu. Hein. Jésus. Ou peut-être que je ne sais pas. Une fois, mais pas dans le bureau. Non, non. Ok. Alors, je vois tout ce que tu fais, il y a un vent qui vient qui souffle. Tout ce que tu fais, il y a un vent qui souffle. Qu'est-ce qui se passe? En fait, quand je ne sais même pas par où commencer. Mais ce que je sais, récemment, hier soir, il y a eu un messager qui est venu me dire que à partir d'aujourd'hui, Dieu va restaurer ta famille. On a entendu ta prière. Donc de là où j'étais en train de prier que ça puisse être confirmé la journée. Tu priais là-bas pour que ça se confirme? Oui. Alléluia. Jésus existe. J'ai vu deux anges venir te mettre un nouveau manteau. Jesus. À partir du site, fini, tout est réglé. Tu vas, je te dis là, tu vas servir le Seigneur, tu vas envoyer des choses au pays là-bas, là, tu vas acheter ici, tu vas envoyer là-bas, là, tu vas acheter des conteneurs, tu vas envoyer, tu vas aider les pauvres là-bas, là, aider les orphelins, aider les veuves, tout ça là, au nom de Yeshua, tu vas aider ta famille et tu vas apporter la lumière dans toute ta famille au nom de Yeshua. Satan te verra des femmes, fais attention, crains Dieu et tu vois comment Dieu va te surprendre, frère. Voilà, c'est fini, c'est réglé. Tu es bon. Ça va, frère? J'ai mal de dos chronique.
D'accord. Ça va, ça vient, ça fait des années que ça dure. Bon, je suis quelqu'un qui... Je suis assez dur à la tâche. D'accord. Je ménage pas mes efforts et je... Bref, j'aimerais pouvoir être débarrassé de ça. Vous pensez que le Seigneur peut guérir son... Amen. Oh Dieu du Seigneur. Oh Dieu de gloire. Dieu de gloire. Amen. C'est bon. Que Dieu soit béni. Tes parents sont pour moi. Il t'a violé. Il veut te tuer. Tu avais quel âge? J'avais 14 ans. Hein? 14 ans. 14 ans quand il t'a violé? Oui. Maintenant, il veut te tuer physiquement? Mystiquement? Mystiquement. Lève tes mains. Lève nos mains vers elle. Esprit de mort, quitte-la. Sors d'elle, au nom de Jésus-Christ. Sors d'elle. Sors d'elle au nom de Jésus de Nazareth. Sors d'elle au nom de Yeshua. Tu vas lâcher ma soeur maintenant. Allez, remonte tes parts au nom de Yeshua. Sors d'elle. Sors d'elle au nom de Jésus de Nazareth. Oui, voilà. Allez, tu sors. Ah, Fatia, tu peux. Hein? Merci. C'est la mort là, qui va la quitter. Là. Viola à 14 ans. Maintenant, il veut la tuer mystiquement. Le Seigneur va la libérer au nom de Yeshua. Lise, lise ici, la lise, lise. Au nom de Yeshua. Si elle est chez elle, elle peut nous appeler. Lise, Dieu me donne Lise. C'est toi, Lise? Viens, on acclame le Seigneur de gloire. Dieu tout-puissant, car mon cœur. Il y a une belle onction pour elle. La force du buffle. Jesus. Oh, c'est réglé, ma sœur Lise. Béni soit de tout mon être, alors célèbre et chante, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Et tout mon être. Que tu es grand. Marc, Dieu me donne Marc ici là. Marc, oh alléluia. Marc, c'est toi? On acclame Jésus-Christ de notre Alléluia. Ah mais Dieu, ce soir là, mes amis là, il est en train de nous surprendre là. Qui est surpris par ce que Dieu... Hein? Non, l'évangile c'est ça. Alléluia. La parole des connaissances, c'est ça frère. Bah oui. Jesus. Il y a une personne, Alain Dieu me dit, sciatique depuis au moins 15 ans. Sur le côté gauche ici là, sciatique là. Oh mes amis. Un ange est venu prendre cela. Au nom de Jésus. Marc, ta prière a été exaucée. Dieu a préparé une femme pour toi. Arrête de le servir. Au nom de Yeshua. Des portes sont ouvertes. Au nom de Yeshua pour annoncer l'évangile de gloire. Dieu change ta situation, c'est ce qu'il veut te dire. Il change ta vie. Et une boîte aux lettres qui est ouverte. Un courrier dedans. C'est ce que Dieu me dit de te dire. Au nom de Yeshua. C'est bon, Marco. C'est quoi le problème? Totalement, Jésus-Christ, ton cœur. Tout. Plus de. Non, pas de, plus de voilà, péché, tout ça là. C'est... L'homme n'est pas parfait, hein, mais c'est Dieu qui libère. Donc, tu veux être libéré. Libéré. Lève ta main.
Que Dieu te libère aujourd'hui, jeune fille. Que le péché te lâche. Que ce démon te lâche. Maintenant, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, quitte-la. Voilà. Quitte-la, serpent. Quitte-la. Au nom de Jésus de Nazareth. Ça va sortir. C'est un serpent. Prenez son sac là. C'est un serpent là qui va la lâcher. Sortez-le. Esprit de péché, d'impunité, là, tout ça là. De colère, tu vas lâcher ma soeur parce qu'elle ne veut plus de toi. Sors d'elle. Voilà, sors d'elle comme ça, là. Sors d'elle. Ah, elle va partir. Elle va partir. C'est un démon qui est là. Sors d'elle. Voilà. 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 On acclame Jésus de Nazareth. Bien. On va prier. Voilà. C'est ce démon-là qui l'a bloqué pour ne pas qu'elle réponde. Ah oui, il faut le discernement. Heureusement que Dieu existe. Hein? Selon nous autres, la trésor, mon frère Joël, on est cadavéré, comme disent les gangs. Hein? Tu veux chanter un peu avec moi de temps en temps? Alléluia. Ah. Il y a une étoile sur toi. Dieu de gloire. Dieu entend encore tes prières par rapport à tes parents. Le Seigneur m'a dit de te dire qu'il a entendu ta prière par rapport à tes parents. Il est au contrôle encore. Ils vont servir le Seigneur. Dieu accomplira ses promesses dans leur vie. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Dieu de gloire. Oh, alléluia. Il y aura toute cette race, ce grand rassemblement de tous les frères et sœurs de la famille. Le Seigneur me dit de te dire. Et je te vois chanter, donner la parole du Seigneur, exhorter au nom de Yeshua. Si tu continues comme ça dans la prière, ton futur époux est un grand homme de Dieu avec qui tu vas servir le Seigneur, Yeshua. C'est ce que Dieu te dit. Fortifie-toi et continue à persévérer. Oh Dieu de gloire. Oui. Viens d'abord. Ouais. J'arrive. Et en fait, ces forces agissaient sur moi tous les jours. Et en fait, après, à l'âge de 18 ans, j'ai touché à la drogue. Et là, ces problèmes sont répétés, mais graves, très graves, très graves. Vous pensez que Dieu peut le guérir, là ? Frère, tous ensemble, frère et soeur, prions pour lui. Dieu peut le guérir, Dieu peut le délivrer. Sors de cet homme. Sorcellerie, vaudou. Au nom de Yeshua, que cet homme soit libéré, délivré. Maintenant, au nom de Yeshua. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu d'Israël. Oh Dieu des armées. Quand je contemple Marie-Dominique, qui connaît Marie-Dominique ici là? Dieu me donne ça là. Marie-Dominique ici. Marie-Dominique, c'est une personne que Dieu. C'est qui Marie-Dominique là? Marie-Dominique. Il y a une Dominique, mais elle est partie se faire. Marie-Dominique. Au nom de Yeshua. Oh, il y a quelque chose pour Marie-Dominique. Qu'elle nous appelle là, Marie-Dominique. Hein? Ta soeur Marie-Dominique? Elle est où? Ok. Ici là, ou l'autre côté là-bas là. Ok. Donc elle doit être connectée là, Marie-Dominique. Appelle-nous au 06 12 13 21 49. 06 12 20 06 12 13 21 49. Marie-Dominique, il y a un paquet pour toi. Cet ange ne va pas repartir au ciel avec son paquet. Il vient d'arriver avec ça. Le Père l'a envoyé directement pour toi. Bien sûr, tu peux. Jesus. Tu peux marcher. C'est toi qui as le téléphone, Laurent. Ok. Ça va? Je veux
il y aura toujours possibilité de... Enfin, il m'empêche aussi de m'entraîner, en fait. D'accord. Maintenant, ben, il faut prêcher l'évangile là-bas. Alléluia. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Ouf. C'est bon. Y a-t-il quelqu'un qui veut abandonner la sorcellerie? Les sœurs qui ont les enfants, venez. Vous êtes prioritaires. Ça va toi? Ceux qui ont des enfants, les personnes qui ont des enfants. Qui... Ça va toi? Comment tu t'appelles? Lise. Lise, quel âge as-tu, Lise? J'ai 5 ans. 5 ans, qu'est-ce que tu veux? Moi, je fais la nuit des cauchemars. Tu fais des cauchemars la nuit? Oh Seigneur, merci pour Lise, qu'elle soit complètement guérie au nom de Yeshua. C'est bon. Vous allez bien? Comment tu t'appelles toi? Kélia. Kélia, quel âge as-tu? 4 ans et demi. 4 ans et demi, waouh! Ça va toi? Alléluia. Bah oui, t'as vu? Un jour tu vas faire la même chose que moi. Alléluia. Waouh! Tu connais Jésus? Il habite où alors, Jésus? Il habite au ciel. Ah, c'est bien! Alléluia. Alors prions pour ces enfants, cette famille. Alléluia, gloire à Dieu. De toi dans l'intercession. Hein, il te donne Ézéchiel 33. Donc voilà, tu vas me bénir. Tu vas beaucoup chanter pour le Seigneur, tu vas beaucoup partir en mission pour le Seigneur. Et le Seigneur te dit que tu es sa perle. Tu es ma perle, ma perle. Il va vraiment te donner l'intelligence pour les études. Tu vas beaucoup t'occuper de pauvres. C'est ce qu'il me dit de te dire. Je te vois travailler comme un médecin soignant les gens. Oh, il y a une onction de guérison sur elle là. Prends l'enfant, s'il te plaît. Une onction sur elle là. Jesus Christ. Alléluia. Glory. Chakataba. Jesus Christ. Oh, alléluia. Glory. Il y a vraiment un appel puissant sur elle là. Oh, alléluia. Gloire à ton nom, mon Dieu. Apprends beaucoup l'anglais. Apprends beaucoup l'espagnol. Tu as beaucoup voyagé dans ces pays pour annoncer l'évangile comme missionnaire. Dieu te dit, je suis ton père. Je suis ton père, ma fille. Je te connais. Je connais tes larmes, tes pleurs, des questions que tu te poses. Je te connais. Je te connais et Dieu va se servir de toi pour toucher tes amis, pour toucher tes amis ici et là, l'école de la famille. Fortifie-toi et prends courage. Le Seigneur va toucher le cœur de cet homme. Le Seigneur va vraiment se glorifier dans ta famille. Le Seigneur va toucher les cœurs les plus durs pour sa gloire au nom de Yeshua. Oh, Dieu est magnifique. Dieu t'aime aussi. Il connaît tes combats, tes luttes. Il va se glorifier. Le Seigneur te dit, prends courage ma fille, fortifie-toi. C'est lui qui vous a attiré ici. Il va accomplir ses plans dans ta vie au nom de Yeshua. Soyez bénis, fortifiés. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh Dieu est magnifique, frères et sœurs. Oh Dieu d'Israël. Oh Dieu de gloire. Prions pour cet enfant, frères et sœurs. Alléluia. Jesus. Ça va? Si. Depuis l'âge de 11 ans. 2 ans. 2 ans. Vous venez de la Suisse. Waouh. Père, au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, que cet enfant soit délivré, guéri. Au nom de Yeshua. Ça va aller. Donne-moi ta main. Voilà. Jesus Christ. Jesus Christ. Alléluia. Oh mon Dieu, que sa langue soit déliée. Au nom de Yeshua, je chasse ce démon de la vie de cet enfant. Au nom de Yeshua, quittez ce corps maintenant. Quittez son âme. Quittez son corps au nom de Yeshua. Maintenant. Papa. Oui. Jesus Christ. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu d'Israël. Prie encore. Ma soeur souffre beaucoup. La sorcellerie, c'est la sorcellerie tout ça.
Viens, 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 viens. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Viens. On a beaucoup de cas comme ça que le Seigneur a complètement restauré. Oh Dieu de gloire. Quand je contemple. Regarde-moi. Voilà, c'est bien. Papa. Papa. Ok, c'est bien mon grand. C'est bien. Tu es sage, c'est bien. Papa. 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 Tu peux le faire. Jésus. Ah oui. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Un jour, on a amené un enfant comme ça de 12 ans, opéré ici. Il avait perdu l'usage de la parole. Le Seigneur l'a guéri. Jésus-Christ n'a pas changé. Qui le croit? Je vous sens fatigué là. Jésus Christ. C'est comme notre enfant. Hein? Ah bah oui. Jésus Christ. Qui aimerait voir son enfant dans cette souffrance là? Personne. Jamais. Oh Dieu, papa. Oh Dieu d'Israël. Père, je lève ma voix devant ton trône pour cet enfant, papa. Souviens-toi de cette famille, Père. Au nom de Yeshua. Maman. Maman. Jesus. Jesus Christ. Amenez-moi l'huile d'onction. Vous rentrez quand en Suisse? La semaine d'après. Ok. C'est pareil? Waouh! Mais beaucoup d'enfants sont touchés par cet esprit-là. Vous habitez où? En Suisse. En Suisse aussi. Vous êtes ensemble? Non. Mais qu'est-ce qui se passe en Suisse là-bas, là, Seigneur? Merci. Jesus Christ. Au nom de Yeshua! Au nom de Yeshua! Donne-moi ta main, mon grand. Voilà. Voilà. Regarde-moi. 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 Voilà. Voilà. Papa. Regarde-moi. Papa. 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 Maman. Papa. Oh Dieu d'Israël. Seigneur, que son souffle soit libéré. Au nom de Yeshua. Oh Dieu de gloire. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Voilà. Tape là. Voilà. Tu parles plus fort. Papa. Papa. C'est bien. Alléluia. C'est bien mon grand. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il y a du progrès. Il y a du progrès. Jesus Christ. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Allez, il est plus calme déjà. Jesus! Jesus! Oh, 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 Jésus est Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu, mes amis là. Oh, alléluia. Suis-moi, 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 suis-moi. Jesus Christ. Jesus Christ. God is shut up. J'aime mal amour, j'aime mal amour. Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon, il est bon pour moi. Papa. C'est bien, tu as la foi. Amen. Alléluia. Amen. Regarde-moi, mon grand. Je vous dis, Dieu va se glorifier parce que ces femmes souffrent. Qui croit que Dieu peut faire quelque chose pour la vie de sa femme?
est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. On va oindre leur langue. Pour l'humanité. On a des cas comme ça, des gens qui viennent. La famille de Suisse, là, avec l'enfant qui ne. T'as des nouvelles un peu? Oui, oui. Ça va, Dieu se glorifie. Ah, hein? Il y a vraiment des progrès. Elle est mangée par la descente de tout ça là depuis, je crois, sa naissance, je ne sais pas. Prière au nom de Jésus-Christ, les choses. Voilà. Pendant qu'on nous amène l'huile d'onction là, venez, venez, je veux juste vous toucher seulement. Jesus Christ. C'est bon, c'est réglé, mon frère. Non, laisse-le, c'est pas grave. C'est bon. Cataracte, quelqu'un ici guéri. Ça va? Alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. L'onction là. Oh, alléluia. Seigneur, merci. Quelqu'un a été guéri de cataracte ici, là. C'est qui là? Ok, viens. On a déjà prié pour elle. Hein? Elle revient encore là pour. Ah, c'est pour toi maintenant. Oh, ok, c'est bon. Ok. Ça va? Ça va. Gloire à Dieu. Jesus Christ. Le Seigneur me dit de te dire que tu n'es pas seul. Dans ta solitude, il va t'accompagner. Il va marcher à tes côtés. Il voit tes combats, tes luttes, des questions que tu te poses, qui restent parfois sans réponse. Le Seigneur va restaurer ta famille. Le Seigneur va restaurer les cœurs des gens, de la famille. Le Seigneur va ramener les cœurs, n'est-ce pas, des cœurs. Il va guérir les cœurs blessés. Le Seigneur va vraiment accomplir ses plans, ses projets. Il te dit que connais les projets qu'il a formés pour toi. Fortifie-toi. Tu as traversé les turbulences. Le Seigneur te dit, il marchera à tes côtés. Oh, kalala, shaka, la barba, shaka, ta barba. Oh, alléluia, glory, shaka. Oh, Dieu l'aime, Dieu l'aime, Dieu l'aime, Dieu l'aime, Dieu. Dieu l'aime. Oh, alléluia, alléluia. Jesus. Oh, alléluia. Une belle onction du Père, là. Le cœur du Père, là, alléluia. Il y a quelque chose avec le Père, là, tu vois vraiment. Ouh, il te prend dans ses bras comme un papa, comme un. Il te berce. Alléluia, alléluia. Fortifie-toi et prends courage, alléluia. C'est bon, c'est réglé. Ouh, alléluia. Il fait des crises d'épilepsie, il parle pas. Mais ça, c'est terrible, ça, quand même. Les enfants sont touchés, hein. Oh Seigneur, démon d'épilepsie, quitte ce garçon là. Sors, quitte-le au nom de Yeshua. Quitte-le au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Oui, quitte-le. Quitte sa vie au nom de Yeshua. Touchez-le, allez, entourez-le, Joël, Gérard, entourez-le, priez. On va juste vous toucher, vous s'occuper des cas durs là, selon les hommes. Ça va? Quelqu'un est tombé, voilà. Je me fais voir sa main à l'hôpital. Je suis sorti. Je n'arrive plus à parler. Oh. Mais c'était ni debout. Oh Seigneur. Ça va aller. Les enfants. Ça va? Tu vas bien? Hmm? Oh. Ça va aller. Ok. Ouais, on y va. Quitte cette femme. Sors d'elle au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas la lâcher. Sors d'elle. Oh mon Dieu, mon roi. Priez pour elle, s'il vous plaît. D'accord. Waouh. Vous pensez que tu peux faire encore là? Oh mon Dieu, mon roi. Oh, alléluia. Que cette maladie soit brisée, toutes ces maladies soient cassées.
détruite au nom de Yeshua. Joël, Alain. Alléluia. Quelqu'un a les épaules très lourdes, tout ça là, donc tu. Ça t'écrase, ça t'écrase. Hein? Ça t'écrase. Ok. Ok. D'accord. Seigneur, souviens-toi de ma soeur, papa, que ta grâce soit sur elle. Bénis-la en toutes choses au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Ça va aller. Amen. Gloire à Dieu. Je veux juste simplement toucher, là, ça va aller. Ça va? Dieu t'a délivré, une onction de guérison sur toi, là, Joël, aide-la. Sors d'elle. Sors d'elle. Quitte-la au nom de Jésus-Christ. Le frère vient de Londres, alléluia, gloire à Dieu. Les gens viennent de plus en plus de loin. Ça va? D'accord. Dieu peut faire dans sa vie, frères et sœurs. Tout est possible. C'est bon, c'est réglé. Sauf. Ça va? Non. Dieu sait. Sois délivré, sois libre. Sors d'elle. Sors. Quitte. Joël, merci. Cataracte, toi. Ok, va ma personne. Tu veux plus de ça? Tu veux plus de ça? Va prier pour toi. Là-bas. Bonjour, sœurs et frères. Moi, je suis là parce que je suis tellement fâchée contre ma famille. À tout à l'heure, vous avez dit que le nom d'Elisabeth, j'ai une sœur qui est en portoise, Elisabeth, on ne s'entend pas. Et puis, deuxième, comme les parents, depuis la mort de mes parents, moi, je suis l'aîné. Je dis aux mes petits frères et sœurs que. On met ensemble l'amour. Mais comme il y a des hommes différents entre frères et sœurs, il y a des autres qui sont sorciers, il y a des autres qui ne sont pas sorciers. Mais moi, comme je l'ai. Donc, je les pardonne parce que je n'ai jamais parlé avec eux au pays. Oui, un seulement qui est ici, mais on ne parle pas. En même temps, ma vie aussi n'est pas bien. C'est ça que je veux, que Dieu me pardonne, que Jésus me libère aussi. Alléluia, gloire à Dieu. Bien. C'est bon, on va aller. Il est parti. Mais il peut venir s'il veut avoir prié pour lui. Hein? Appelle ton papa. Venez. On va prier pour ton papa qu'il vienne, s'il est comme il est là. Hein? On y va. Hein? Ça va? Alléluia. On va prier pour toi. Merci Seigneur Joël. On va, tu peux le prendre. Ouais. Seigneur, merci. Merci pour ta jeune fille. C'est bon. Ça va? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que Dieu m'aide à mieux parler que je parle. Mais... Ok, tu veux mieux parler. Tu aimes Jésus? Oui. Va voir là-bas. C'est ta maman. Ok, il est où ton mari? Qu'il vienne, on va prier pour lui. Venez. Viens mon grand, tu veux là? Viens. Tu veux quoi? J'ai dû restaurer mon intelligence. Ton intelligence, tu dors pas la nuit? Non. Tu fais quoi la nuit quand tu dors pas? Je regarde des films des fois avec mon cousin. Des films? Ouais. Tu veux prier pour lui? S'il te plaît. Ouais. Ok. C'est tout à l'heure. Ok.
Seigneur, souviens-toi de ma sœur, qu'elle soit fortifiée au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à Dieu. Merci, Père. Jésus, alléluia. Que cette jeune femme soit complètement libérée. Libérée, on a. Tu vas la lâcher. Lâche-la. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. C'est bon. Dieu, que cet homme soit complètement délivré. Au nom de Yeshua, quitte ce corps, quitte-le, sors de là, démon, sors de là, sors de là. Voilà, remonte, 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 sors de là, un esprit impur. Là. Quitte, quitte, voilà, sors, sors de là, au nom de Jésus de Nazareth, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là. Allez, vous allez vous prendre auprès de Gérard, tout ça là, Julien, priez pour lui, c'est un démon impur. Ok. De me libérer, mais l'esprit est trop fort. Ouais. Tu es avec deux pasteurs hier, ils ont essayé de te libérer, l'esprit était trop fort. Non, parce que l'esprit est revenu encore. Quel est... Ah bon? Oui. Est-ce que... Et tu as payé? Non. Ok. Et à tout moment, à cause de cet esprit, j'ai perdu mon boulot. Oh. Parce que. Ok, cette chose, quand elle vient. Elle me brutalise, elle me tape. Cet esprit. Oui. Levons nos mains, alors prions pour lui. Sors de ce corps au nom de Jésus-Christ. Sors de ce corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de là. Sors de là au nom de Jésus de Nazareth. Sors de là. Tu as été vaincu à la croix et tu le sais. Sors de là au nom de Yeshua. Tu vas quitter mon frère. Tu vas quitter sa vie. Tu vas lâcher toutes ses affaires. Au nom de Yeshua. Oh Dieu d'Israël. Dieu de gloire, priez, priez pour lui, frère. Philippe, tu peux l'aider? Tu as un mari de nuit, tu penses? Attaque tout, t'attaque la nuit? Quitte-la! Non, Jésus-Christ, arrête. Quitte son dos. Voilà. Quitte son dos. Quitte ta femme. Que cet enfant soit délivré.
Tu vas quitter son âme. Tu vas quitter son âme maintenant. Quitte son âme. Quitte, voilà. Quitte son âme, voilà. Allez, tu remontes. Allez, tu remontes, tu sors. Voilà. Sors d'elle. Sors d'elle. Allez, sors d'elle. Allez, sors d'elle. Elle sort d'elle. Elle sort d'elle. Elle remonte. Elle remonte et sort. Remonte et sort maintenant. Remonte et sort au nom de Jésus de Nazareth. Remonte et sort au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur guérit ton cœur. Il guérit ton cœur en profondeur comme un père. Dieu veut être son père pour toi, qui te connaît, qui te comprend et qui veut t'écouter. Écouter aussi ton cœur, ce que tu ressens. Satan veut que tu t'enfermes dans ta petite boîte, hein, dans ta bulle. Et Dieu va te sortir de là pour que tu t'exprimes, pour que tu dises ce que, les choses qui te blessent. Et c'est comme ça qu'il va te guérir, te soigner. Et, hein, il va vraiment te soigner, te guérir afin que tu le serves. Et tu apprendras à pardonner à tout le monde. D'accord? Et parce qu'à ton tour aussi, tu seras une mère. Et c'est pour ça que Dieu te guérit comme ça dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni. Gloire à Dieu. Sur toi une vie de prière intense pour intercéder pour les autres au nom de Yeshua. Dieu va t'envoyer avec l'épée pour aller libérer les prisonniers spirituels au nom de Yeshua. Ne te minimise plus, sanctifie-toi encore car Dieu veut te surprendre. Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un qui veut abandonner la sorcellerie ici? Un enfant qui ne veut plus servir le diable, qui veut suivre Jésus-Christ de Nazareth, hein? C'est bon. Ça va toi? Oh, comment tu t'appelles? Dis-moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça va aller. C'est bon. Ok, c'est bon, c'est bon. Pas là parce que vous êtes hein? Wow. Où c'est en Suisse? À Delémont.
C'est quoi ce médicament là? L'hypertension. L'hypertension. Vous pensez que le Seigneur peut le guérir? Amen. Levons nos mains, prions pour. Il vient de la Suisse. Prions pour lui. Notre Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Dieu d'Israël, bénis ces enfants également, Seigneur mon Dieu. Bénis ces jeunes gens, mon Dieu, mon roi Père. Oh Alléluia. Oh Alléluia. Seigneur, merci. Merci mon Dieu. Tu vas beaucoup témoigner la parole de Dieu, témoigner la parole. Dans cet appel pour même prêcher l'évangile. Tu as été vraiment beaucoup déçu aussi des hommes. Et le Seigneur va vraiment, ta maison c'est une maison de prière. Dieu va la transformer de plus en plus parce qu'il va envoyer des gens. Il va envoyer des couples qui sont au bord du divorce pour être restaurés. Telle est la mission que Dieu te donne. Ne crains rien, tu ne mourras pas. Tu vas le servir. Et partout tu vas témoigner sa gloire, ce que Dieu te dit. Au nom de Yeshua, prépare-toi. Je vois des couples qui viennent comme ça et qui vont recevoir l'enseignement. Au nom de Yeshua, ça c'est ton appel, c'est ton ministère. Au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Vous pensez que Dieu peut la guérir là, ce problème là? Jesus. Lâche! Oh, lâche-la! Lâche ma soeur, ça va là! Lâche-la, lâche-la, lâche-la! Lâche-la, si, lâche-la! Lâche-la, voilà, lâche-la, lâche-la! Sors d'elle! Sors de son dos! Quitte son dos! Quitte au nom de Jésus de Nazareth! Quitte-la, 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 si, tu vas la quitter! Aujourd'hui, tu vas la quitter au nom de Yeshua! Tu la quittes! Merci Seigneur mon Dieu! Quelque chose qui va lâcher son dos là, non, j'ai des flèches. Ah ben oui, c'est bon. C'est bon, tu vas revenir pour témoigner. C'est déjà bon. Regarde, regarde. C'est pas un problème. C'est bon. Tu sais, c'est la foi ici. Hein? C'est bon. Vas-y, tu pars. Et va revenir pour témoigner. Hein? Gloire à Dieu. On se laisse guider. Il y en a, il faut imposer d'autres voyages. C'est réglé. Bien. Les sœurs d'Orléans, est-ce que vous pouvez venir l'entourer, prier pour lui? Ce que je ressens. Vous avez une grâce. Venez entourer ce frère et priez pour lui, s'il vous plaît. Tu le veux, mon frère? Ah oui. Même si c'est... Chez nous, là, il n'y a pas de hein, ni grec, ni homme, ni femme, tout ça, tu vas voir. Amen. Il faut simplement t'entourer et prier. Moi, là, j'ai prié pour toi. Hein. Si, on a prié aussi, on a touché, on t'a touché. C'est déjà bon. Alléluia, gloire à Dieu. Ok. Tu sais que Dieu veut te rendre forte. Dieu a mis en toi des capacités. Tu vois, non? Que l'ennemi veut étouffer. Donc, et Dieu te rend déjà capable. Le Seigneur va vraiment te guérir, te soigner, afin que tu aies très loin dans les études, parce que tu es amené à aider beaucoup de gens. Au nom de Yeshua, l'ennemi veut te faire croire que tu es nul, que tu ne vaux rien, tout ça là, que tu ne. Voilà, qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser, tout ça là est intimidé. Le Seigneur te guérit au nom de Yeshua. Tu vas lâcher cet enfant, tu vas lâcher cette jeune fille. Au nom de Yeshua, tu vas quitter sa vie maintenant. Voilà. Quitte-la. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, tu la quittes, tu la quittes, tu la quittes. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu la quittes au nom de Jésus de Nazareth. Voilà. Allez, tu remontes, tu remontes, tu remontes, tu remontes. Tu remontes au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu de gloire. Tu peux venir prier encore pour elle. Alléluia. Voilà, tu peux marcher maintenant, mon frère. C'est leur temps.
Bah oui, mon frère, les femmes ont prié pour toi, les femmes de Dieu. Maintenant, tu peux marcher. La puissance de la guérison. Alléluia. Comment tu dis? C'est la réponse. La réponse. Ce sont des filles qui, des filles d'Abraham qui ont été blessées, cassées à Orléans. Dieu m'a dit, appelle-les. Je veux confirmer l'appel que j'ai mis sur elle. Alléluia! Voici la gloire sur vous. Jesus Christ, alléluia! Oh! Oh, mon Dieu! Elles sont ni prophétesses ni apôtresses. Enfants d'Abraham. On a écrasé, minimisé. Voilà. Le frère a lâché sa béquille. Et c'est pas Chora qui a prié. Amen. Des femmes. Amen. Il y a femmes et femmes. Alléluia. Jesus. Viens prier pour là, s'il te plaît. Viens prier pour ces femmes, s'il te plaît. Vous savez, je vous dis une chose. Le message que nous prêchons, le retour à la parole, c'est quoi? Ce n'est pas que vous soyez focalisé sur un homme, sur un tout ça. Non. C'est pour vous dire, nous sommes tous délivrés. Amen. Vous avez l'onction, vous avez l'esprit. Il y a, ne soyez plus intimidés par les titres. Priez, prêchez l'évangile partout, l'évangile. Vous allez voir ce que Dieu va faire avec vous. Donc ici, là, on se laisse guider. Ne croyez pas qu'il faut que ce soit toujours moi qui impose les mains. Les femmes, les hommes qui sont ici, qui aiment le Seigneur, ont la grâce. Amen. Voyez, Dieu travaille. Je vous dis, Dieu travaille. Tu peux venir, Christelle, priez là s'il te plaît. Il n'y a pas besoin que je vous touche. Je sais ce que Dieu fait. Je fais ce qu'il me demande. Amen. Que Dieu lui-même fasse neuf. Elle va prier pour toi. Une femme a accouché par péridurale. Et depuis son dos, c'est pas ça. Et elle est vraiment malheureuse à cause de cela. Son dos, là, c'est réglé, ma soeur. C'est fini ce problème-là. Dieu te restaure. Tu ne verras plus cette douleur. Fini. Tout est. Il te donne le dos d'une fille de 16 ans. Ma reconnaissance. Ah, Jesus. Il y a quelque chose. Ma soeur Fatia, toutes les femmes vont prier pour vous. Voilà. C'est ça le royaume. Ma soeur Fifi, tu peux? Qui est là, la grâce qui est là, mais c'est le temps de femmes qui veulent concevoir, levez les mains. Qui n'arrivent pas à concevoir. Tu es marié? Tu étais fiancé? Ok, il faut le mariage. Tu es marié, hein? Ah ouais, c'est bien, il est à côté le frère. Dieu me demande de te dire ceci, de te demander. Combien d'enfants veux-tu avoir?
croix. Alors moi, en tant qu'homme que Dieu a appelé, je dis ça c'est moi. Je demande à mon Père si ce serait sa volonté parfaite. Et je crois qu'il m'exauce souvent. Qu'il te donne aussi des jumeaux. Amen. Ouais. Il vous donne cela. Au nom de Yeshua. Et parmi ces enfants, Dieu me dit, il y en aura un qui va beaucoup chanter. Beaucoup chanter. Tu veux? Tu veux quoi? Des jumeaux aussi? Je crois qu'il y a un vent de jumeaux ici. Hein? Alors, celle qui... Tu veux des jumeaux aussi? T'es pas encore marié, il faut te marier d'abord. C'est comme quelqu'un qui veut conduire alors qu'il n'a pas de permis. Le mariage est le permis d'enfant. Pour avoir des enfants. Alléluia. Alors je prie que Dieu vous donne des jumeaux. Amen. Vous voulez des jumeaux aussi? Tu veux des jumeaux? Tu veux des jumeaux? Mais souvent il y a des... Père, au nom de Yeshua, donne à mes soeurs, tes filles, des jumeaux. Amen. Qu'elles viennent témoigner ici. Avant la fin de ce programme. D'ici le mois de décembre. Amen. Que les jumeaux soient dans leur ventre. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Jumeaux, Jacques et Jacqueline, quelqu'un ici. Au nom de Yeshua. Je vous dis. Problème des reins, c'est réglé. Quelqu'un, les reins, c'est réglé. C'est fini ce problème, t'inquiète pas. Dialyse là, tout ça là, c'est réglé, c'est fini au nom de Yeshua. Réglé. Au nom de Yeshua. Le médecin ne va pas comprendre les reins. Il va te dire d'où viennent ces reins là. Tu viendras avec la faute. Écoute bien la prophétie. Hein. Tu reviendras avec la radio. Voilà. Oh Dieu est bon. Oh Dieu est bon. Il se passe des choses. Je vous dis. Dans ta famille, les gens ne se marient pas. Dieu a effacé cette malédiction. Il m'a dit ça. J'ai vu le Seigneur avec une un espèce d'effaceur là. Il efface, il efface, il efface, il efface. Il efface. Il efface. Est-ce qu'on peut lui faire un coucou? Vous voyez, les femmes, les hommes que tu as appelés, chacun a reçu quelque chose pour faire le ministère. Donc ne soyez pas idolâtres. Amen. Amen. Focalisez-vous sur qui? Jésus. Les gens qui vous combattent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'arrêter sur eux? Non. Il faut se focaliser sur qui? Jésus. Les gens qui critiquent, il faut s'arrêter sur eux? Non. Il faut faire quoi? Jésus. Focalisez-vous sur le Seigneur. Amen. On dit les chiens à bois. Caravane passe. Voilà. Cette magie là, qu'ils appellent magie, eh ben c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il guérit, il restaure son peuple au nom de Yeshua. C'est bon. C'est bon. Soyez fortifiés, encouragés, rentrez chez vous avec la grâce de Dieu. Dieu te connaît. Il t'a mis à part depuis le sang de ta mère. Il t'a mis à part pour son œuvre. Il va se révéler. Je vois le Seigneur rassembler la famille, rassembler les gens qui sont au loin, rapprocher les uns vers les autres. Et le Seigneur t'appelle comme Joseph. Il te dit, ma fille, je te connais. Là où il y a eu la division dans la famille, je veux mettre la restauration, l'unité. Je vois tes combats, tes larmes. Tu es venu parce que je t'ai attiré ici. Parce que je voulais te confirmer que je te connais. Que je ne t'ai pas oublié. Que je t'ai donné des promesses que je veux réaliser. Dieu te dit, la guérison arrive dans ta famille. La délivrance arrive dans ta famille. Dieu va briser la puissance de la sorcellerie, de la magie. Dieu te dit, les hommes t'ont beaucoup déçu, les gens t'ont beaucoup déçu. Mais lui va marcher à tes côtés comme ton Père Céleste, t'enseigner lui-même sa parole. Et le Seigneur te dit, il a mis dans ton cœur l'amour pour les gens, pour les enfants. Tu vas beaucoup aider les jeunes, beaucoup aider les enfants au nom de Yeshua. Et tu vas beaucoup faire à manger pour les enfants, les nourrir au nom de Yeshua, aider les veuves. Dieu t'aime, fortifie-toi et prends courage. Il te donne Ésaïe 43.
Je prie que mon Dieu vous bénisse. Je prie que mon Dieu combatte vos ennemis. Je prie que mon Dieu se révèle à vous. Tous ceux qui bénissent ce ministère que Dieu m'a donné, je plie mes genoux devant le royaume, devant le trône du Père. Papa, bénis ton peuple dans le monde entier. Qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des guérisons spectaculaires. Et nous n'allons pas nous focaliser sur les uns les autres, mais sur toi, Jésus-Christ. Nous prophétisons au nom de Yeshua que cette Bible sortira. Que ton peuple, Seigneur mon Dieu Père, annoncera ton évangile partout. Dieu a commencé un travail avec toi qu'il va achever. Le Seigneur me dit, beaucoup de gens ne vont pas te reconnaître, ne vont plus te reconnaître. Le Seigneur te bénira dans le mariage, dans le foyer, dans la famille. Il te bénira afin que tu aides les autres. Tu vas beaucoup aider les pauvres. Tu as toujours été pour les gens rejetés. Tu as toujours été pour... On t'a toujours prise pour quelqu'un de bizarre, n'est-ce pas, de voilà, particulier. Quelqu'un de très particulier. Le Seigneur te dit, c'est moi qui t'ai mis à part. Et il va répondre à chacune de tes questions. Chacune d'elles trouvera une réponse. Et il te donnera les moyens pour réaliser des projets que tu as. Il te dit, prends courage. Il va mettre dans ton cœur de plus en plus la soif de la méditation de la parole. Tu vas de plus en plus dévorer la Bible, la parole de Dieu. Au nom de Yeshua, ne laisse plus personne te minimiser. Ne te minimise pas. Dieu t'aime comme un père. Comme un père. Comme ton papa, chéri. C'est ce qu'il te dit. Vous êtes béni, guéri, fortifié, libéré, encouragé. Autre chose, ne vous inquiétez pas pour nous. Grâce à vos prières, nous tenons debout. D'accord? Je sais que vous nous portez beaucoup, vous nous aimez beaucoup. Nous menons un combat qui n'est pas facile. Croyez-moi, on fait tout pour nous faire taire. Mais grâce à vos prières, grâce à l'Esprit de Dieu, nous tiendrons jusqu'au bout. Frères, sœurs, si vous nous voyez ne pas répondre au combat, aux critiques, c'est parce que nous n'avons rien à nous reprocher. Croyez-moi. Donc on ne va pas venir pour commencer à se justifier. Ça ne sert à rien. Personne ne peut dire que ce frère me doit de l'argent, manger mon argent, a pris mon argent, ou a été avec ma femme. Rien. Et nous bénissons Dieu. Que Dieu vous fortifie. Qu'il vous encourage. Nous vous donnons rendez-vous lundi sur TV de vie. Si on ne vous a pas touché, Dieu vous a touché. Amen. Nous bénissons la France, les Français, les Africains, les nations. Au nom de Yeshua. Gloire à Dieu. Il y a un panier pour la...